Bonjour à vous du matin, bonjour ce matin. Bonjour, on est le samedi 3 juin. Déjà en juin, waouh. Le samedi 3 juin, bonjour Tréguy. Bonjour, bonjour Tréguy. Alors, le chat ou le chat? Le chat n'est pas encore là. Le chat est encore en train de dormir. Et le chat, il est encore en train de dormir aussi visiblement. Donc bonjour à vous, donc nous sommes le samedi 3 juin, il est 10h56, et oui, je suis pas très matinale ce matin, j'ai un peu pris mon temps, parce que pourquoi pas. C'est la matinale du matin, tôt le matin, avec Florie, et Florie, bah c'est moi. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez, bienvenue à vous si vous vous réveillez, et bienvenue à moi parce que je me réveille là ce matin, c'est un peu dur. Donc la matinale du matin, tôt le matin, je rappelle, hein, on fait salut Ragold, ça va ? On fait le tour de l'actualité que vous choisissez, et moi aussi d'ailleurs, que vous publiez sur le serveur Discord de la communauté, le lien est dans la bio. Je vois que je suis pas du tout coiffée, là j'ai une mèche qui part, attends, elle est où ? Elle est là ? Bon, peu importe. Donc l'actualité que vous choisissez, que vous mettez sur le serveur Discord de la communauté qui est dans la bio, et je peux le remettre en plus ici parce que maintenant je l'ai réglé, enfin je l'ai réglé, ça fait un petit moment maintenant. Tu bosses ce week-end? Ah, pas de chance. Moi ce week-end ça va, je bosse pas, j'ai une amie qui vient cet après-midi et puis demain je vais présenter mon chéri à mes parents. Donc grosse journée demain, et je crois qu'on va aller voir Spider-Man aussi, le dernier Spider-Man qui vient de sortir là, l'anime, enfin le Spider-Man dans le Spider-Verse là, je sais plus comment il s'appelle, et puis voilà, je crois qu'on va aller voir ça demain, je sais pas encore. Comment ça, des heures sup non rémunérées, c'est légal ça, vous avez le droit ça, c'est vrai, tu fais ça? Ouf. Bon courage. Alors plusieurs choses avant de commencer. D'abord qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Ah mais non, mais demain, je peux pas aller voir mes parents demain midi. Si, je vais pouvoir aller voir mes parents demain midi. Demain, à 15h, je suis en train de me dire, waouh, j'ai oublié qu'il y avait un truc demain après-midi. Demain, à 15h, je dois animer un live avec Faro sur la chaîne du Parti Pirate. Donc rendez-vous à 15h. Sur la chaîne du Parti Pirate, donc c'est Parti Pirate, c'est twitch.tv/Parti Pirate. D'accord, ok, chaud. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous annoncer? Alors la semaine, le mois prochain, en juillet, a priori de ce que j'ai compris, en juillet, les pirates vont choisir leur tête de liste pour les élections européennes. Et a priori, je devrais présenter ma candidature cette fois-ci avec beaucoup de conviction et beaucoup d'envie d'y aller. Et puis,
Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous raconter? Rien, si ce n'est qu'on cherche toujours des volontaires pour participer à la campagne des européennes de 2024 avec le Parti Pirate, qu'on va commencer à ouvrir un appel à dons probablement, et que toute aide est la bienvenue pour le moment. Voilà. Ouais. Bon, on va commencer, si ça vous va. Ah oui, pour choisir la tête de liste pour le Parti Pirate, il faudra adhérer au Parti Pirate. Hein. Si vous adhérez, vous... Ah, merci pour ton abonnement Prime, Aragold. Merci pour ton retour, deuxième mois. Ouh. Petit minou qui ronronne. Bonjour Antoine, comment ça va? Pas trop tôt? Ouais, c'est pas trop tôt, ça va. On n'est pas trop trop tôt ce matin. Compris. D'accord, moi je m'en fous. Ok, d'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous m'avez envoyé? Qu'est-ce que je me suis envoyé aussi? Parce que je me suis envoyé des trucs, hein, mine de rien. Ploup, ploup. C'était quand? C'était quand? Alors, c'était pas là. C'était quand? Je me suis arrêtée quand? Je me suis arrêtée là. Alors, présidente du comité olympique français, Brigitte Henriques. Je sais pas si on dit Henrique ou Henriques. Aucune idée. Dans le doute, je vais garder ma première prononciation. Ah ! Vous ne devinerez jamais qui est-ce qui vient de gratter à la porte. C'est qui ? C'est qui ? Qui c'est ? C'est Loulou ? Il ne sait toujours pas ouvrir une porte. Bonjour Loulou ! Bonjour Loulou. Tu dis bonjour ? Il dit bonjour. Tu m'entends à peine ? Ah, alors, je sais pas à quoi c'est dû. C'est peut-être... Mais c'est bizarre parce que... Bah peut-être après, quand je vais mettre du son, ça va peut-être être un petit peu plus fort. Après, c'est peut-être parce que je parle pas fort non plus. Bonjour Loulou. Vous avez vu son petit bout de queue qui est passé ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu veux ? Ouais, qu'est-ce que tu veux ? Tu dis bonjour au moins ou t'as juste pas envie de faire chier le monde là? Non. C'est bien, il vous montre son cul. Bah, vous le voyez pas, mais... C'est un siamois. Oui, c'est un siamois. Oui, c'est un siamois. T'es un siamois? T'es un siamois, toi? C'est un siamois, c'est pas un siatois. Oh là là, qu'est-ce que je suis drôle. C'est parce que c'est le matin, pas trop tôt le matin. Je vais essayer de faire en sorte qu'il n'abîme pas ma jolie combinaison noire, en tout cas en ne mettant pas de poils dessus. C'est pour ça que je mets un plaid sur moi. Globalement, je mets un plaid sur moi parce que ce chat adore se coucher sur le plaid. Voilà, dès que je mets le plaid, c'est tout de suite immédiat. Je sais pas comment je peux faire pour augmenter le son. Je peux l'augmenter ici, mais ça va pas changer grand chose. Et je pense que c'est pas lié à mon micro. Je pense qu'il y a des gens qui m'entendent super bien. Du coup, je sais pas trop comment faire. J'en suis terriblement désolée. On va voir si ça marche avec... Bon, de toute façon, pour le moment, je vais pas avoir de son sur les actualités. Alors, ah, ça a pété ton... Non, ça a pas pété, là. La présidente du comité olympique... Ah, j'ai pas partagé l'écran. Je suis nulle. Trop nulle. La présidente du comité olympique français... Brigitte Henriques démissionne à un peu plus d'un an de Paris 2024. Ouh là là, tempête dans un verre d'eau. Bonjour. Bonjour Miss Julia depuis la Normandie. Ah c'est chouette, t'es en Normandie. T'es où? Enfin peut-être t'as pas envie de dire où est-ce que t'es, mais t'es dans quel endroit de Normandie? Sur fond de vives tensions avec son prédécesseur Denis Masseglia, la présidente du Comité national olympique du sport français a mis un terme à son mandat jeudi. Donc c'était le jeudi avant le 25 mai. Bonjour Flamic. La crise de gouvernance du Comité national olympique du sport français, le CNOSF, prend une autre ampleur. Sa patronne, Brigitte Henriques, a annoncé jeudi 25 mai quitter son poste de présidente de l'instance lors de l'Assemblée générale du CNOSF, donc le Comité national olympique du sport français.
près de Cherbourg. Ah oui, t'es vachement loin. Il y a la DSL2 là-bas. Ah oui, d'accord. Donc, il n'y a pas la fibre là-bas. Ça ne m'étonne pas trop. Hein. À côté de Cherbourg, il n'y a pas grand-chose. T'es où exactement? T'es du côté est ou du côté ouest? Est-ce que t'es sur la Hague ou t'es plutôt du côté de Tatiou? Oui, je connais. J'étais à Erqueville pendant un moment, moi, tu sais. Sa patronne, Brigitte... donc, j'ai déjà dit. Un peu plus d'un an des Jeux Olympiques de Paris. Non. Les tensions couvaient ces derniers mois autour de plusieurs dossiers, notamment entre Brigitte Henriques et son prédécesseur, Denis Masseglia. À un peu plus d'un an des Jeux Olympiques de Paris 2024, l'ancienne footballeuse passe la main. La secrétaire générale du CNOSF, Astrid Guyard, assurera l'intérim, a indiqué l'instance dans un communiqué. En dessous de Martin va. Ah bah, je vois très bien où c'est. C'est pas loin de Saint-Va. Ouais, il y a plein de trucs qui ça s'appelle Saint-Va. Martin va. Alors, on dit Martin va. On dit pas Martin Vaste. Voilà. C'est juste pour ceux qui lisent. Je suis sûre que toi, Miss Julia, tu le savais, parce que t'as dû avoir des personnalités locales qui t'ont dit « On dit Martin va !» Alors, le début de cette crise mêlant affaires financières, démêlés juridiques et lutte de pouvoir remonte à septembre dernier. Un peu plus d'un an avant son arrivée à son poste, Brigitte Henriques écarte son secrétaire général, Didier Séminé. Pardon. Didier Séminé. Didier Séchaton. Faut que j'arrête de faire des blagues sur les noms de famille. Moi, j'en ai tellement souffert toute ma vie que du coup, maintenant, je fais toujours des blagues sur les noms de famille et les prénoms. Avant de déposer plainte pour harcèlement et violence psychologique, surtout que le sujet est plutôt grave, donc bon. L'ancien dirigeant de la Fédération française de baseball fait ensuite de même pour dénonciation calomnieuse et abus de confiance. Mise à l'écart fin 2022. Accusé quelques semaines plus tard d'avoir, dans le cadre de ses fonctions, de ses anciennes fonctions à la Fédération française de football, soutenu un cadre de la FFF condamné en 2023 pour harcèlement moral et sexuel, Brigitte Henriques s'écarte un temps de son poste en octobre. De retour à la tête du comité, elle fait face à une plainte devant le parquet national financier déposée par Denis Masseglia pour abus de biens sociaux après avoir dû rembourser au CNOSF un peu plus de 4000 euros de frais jugés personnels. Alors je dis non. Trigui, il faut que tu mettes du contexte parce que non, comme ça, je ne sais pas. Donc va, effectivement, ça veut dire domaine. Donc Martin va, c'est le domaine de Martin. Qui est Martin? Très bonne question. Vous le saurez au prochain épisode. Et oui. Le 16 mai dernier, Denis Masseglia demande ensuite... Mais je crois, Miss Julia, je crois savoir que tu es originaire de Normandie, toi, de toute façon. Il me semble. Ah, non, il faut pas que j'arrête de faire des jeux de mots sur les mots. D'accord. J'arrêterai pas, je vais continuer. Le 16 mai dernier, Denis Masseglia demande ensuite, sans succès, la démission de celle qui avait pris sa place après 12 ans à la tête de l'institution. Celle-ci est finalement intervenue 9 jours plus tard dans une interview accordée à l'équipe mercredi. Brigitte Henriques a affirmé qu'elle avait souhaité tenir un vote de confiance non prévu par les statuts du CNOSF ce jeudi matin. Sa prise de parole aura finalement été pour expliquer devant les membres de l'Assemblée Générale les raisons de sa décision, précise l'instance. Au terme de cette prise de parole, Brigitte Henriques a été applaudie chaleureusement par l'Assemblée Générale pour sa contribution, son dévouement et le travail de modernisation qu'elle a insufflé au sein de l'institution depuis le début de son mandat. Ah oui, de Cherbourg, bah oui, de Cherbourg, ouais. De toute façon, oui. Alors, je reviens parce que... Je reviens, Loulou-chat. On va voir avec le chat. J'arrive parce que, en fait, j'ai une fuite dans mes toilettes, c'est super relou. Et à chaque fois, je dois retirer la chasse d'eau. Donc, j'arrive dans 2 secondes, le temps de retirer la chasse d'eau pour éviter que ta fuite continue là, pour qu'elle se calme à un moment. Ah ! Oui, bonjour le chat. Attends, ne bouge pas. Je te pose deux fois. Tu peux te poser là.
une fuite d'eau, il y a un moment, quand tu tires la chasse d'eau, tu sais, il y a, je sais pas, il y a de l'eau qui continue de couler, et du coup, je sais pas pourquoi, enfin, elle se redéclenche, la chasse d'eau, c'est super relou. Super relou, bah, ça me gave, vraiment, bref. Bon, je reprends la lecture. Je reprends la lecture. Tu viens ? Oh, tu reviens. Allez, hop. Je range le chat. Hop. Ah bah voilà, ça y est, il a bousillé ma... Bah ça, je m'en doutais un peu de toute façon. C'est comme ça, hein, quand on a un chat, les vêtements ne tiennent pas très longtemps. Oui, mon chaton. Amélie ou Déa Castera appelle à rassembler et rebondir. À un peu plus de 400 jours des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, ce nouvel épisode vient secouer un peu plus le sport olympique tricolore. Un conseil d'administration élira une présidente en son sein dans les 3 mois à venir, conformément aux dispositions statutaires de l'institution, précise le CNOSF. En attendant, Astrid Guyard, jusque-là secrétaire nationale, tiendra la fonction de présidente. Déjà membre du Quatuor, qui avait siégé le temps de la mise à l'écart de Brigitte Henriques, l'ancienne escrimeuse, devra assurer la transition et faire trouver un peu de sérénité à l'institution. Celui ou celle qui prendra sa place devra rassembler et rebondir, estime la ministre des Sports, Amélie Oudéa Castera. Il n'y a pas de vainqueur aujourd'hui, a-t-elle réagi, mais il peut y avoir une victoire, celle du sursaut éthique et démocratique. La ministre a par ailleurs donné rendez-vous mardi soir, 30 mai, au bureau exécutif du CNOSF pour faire le point. Donc, est-ce qu'on sait où est-ce que ça en est ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un nouveau rebondissement à l'approche des prochains Jeux Olympiques de Paris. Et on voit qu'à force du temps qui passe, c'est de pire en pire. Ces Jeux Olympiques, c'est vraiment une catastrophe, en fait. Entre le Crous qui a été vidé... d'ailleurs, je ne sais pas si on en avait parlé la semaine dernière ou si on en parle aujourd'hui. Il me semble qu'il y avait un article qui a été envoyé sur le serveur parlant du Crous, justement, qui va être vidé pendant l'été pour accueillir des gens qui travaillent sur les Jeux Olympiques. C'est une catastrophe. C'est vraiment... Oui, je crois qu'on en avait parlé la semaine dernière, parce que je me souviens avoir dit « c'est honteux ». C'est honteux. Et du coup, là, entre ça, plus la démission de Brigitte Henriques... pour les raisons qui sont présentées ici, c'est vraiment le bordel, hein. Les Jeux Olympiques là, c'est de pire en pire. Je me demande si ça vaut vraiment le coup de maintenir les Jeux Olympiques. Je pense vraiment, je suis de plus en plus convaincue qu'il faut pas, en fait, qu'il vaut mieux annuler, laisser tomber et passer à autre chose. Après, les Jeux Olympiques c'est important, mais là. Vu comment c'est organisé, c'est vraiment catastrophique. Là. C'est n'importe quoi. Complètement n'importe quoi. De pire en pire. Bon, on va essayer de se dégourdir un petit peu. Parce que Aël, il nous a envoyé plein de trucs la semaine dernière. Donc on va aller voir si c'est une question de son de chez moi ou si c'est une question de son tout court. Attends, hop. Annulé, ouais, ça paraît compliqué, je suis d'accord. Mais bon, à un moment... Je sais pas... Est-ce que t'entends bien là ? Il est trop mignon ! Donc c'est Grogu qui fête son 2e anniversaire. Voilà, voilà, voilà. Alors, un article qui nous a été envoyé par Miss Julia, maintenant. Hop, hop, hop. On y va tout de suite. Hop. Un article de Alternative Économique qui a été publié a priori le 26 mai ou un peu avant le 26 mai, j'imagine. Anne-Laure Delatte. Les ménages paient, les entreprises encaissent. Un entretien avec Anne-Laure Delatte, qui est une chercheuse. Qui vient de publier L'état droit dans le mur, rebâtir l'action publique chez Fayard. C'est une enquête sur plusieurs décennies d'action publique qui démontre que l'État français est de plus en plus au service des entreprises. Une intervention payée en très large majorité par des prélèvements sur les ménages. Le soutien au marché ne s'arrête pas là. La politique monétaire aussi sert largement les intérêts des entreprises, explique l'ouvrage. Le tout en favorisant les entreprises qui contribuent fortement au réchauffement climatique.
Il est temps de réorienter l'action budgétaire et monétaire, conclut la chercheuse, qui liste une série de propositions. Intéressant, très intéressant. Merci, hein, Julia, pour le partage, c'est cool. Pourquoi écrire un livre sur l'action de l'État ? Anne-Laure Delatte répond « Je pars du constat que de plus en plus de citoyens et citoyennes ne croient plus en l'État, ne croient plus que l'État saisisse l'urgence climatique et soit en capacité de les protéger. » Moi, je suis assez d'accord là-dessus. Non seulement ils ne pensent pas que l'action publique puisse apporter des solutions, mais souvent ils considèrent que c'est le problème. Je suis pourtant convaincue que nous ne pourrons faire face aux défis écologiques qu'avec une action publique forte et au service des citoyens et citoyennes. Pour comprendre cette défiance et imaginer des moyens de réparer le lien, j'ai essayé de documenter les transformations de l'action publique depuis l'après-guerre. Mon objectif est de mettre de nouvelles données dans le débat et ainsi fournir des outils pour changer l'action publique. Toutes mes données sont accessibles en ligne. Quand on prend l'ensemble des prélèvements obligatoires, quelle part est payée par les ménages et par les entreprises ? Donc Anne-Laure Delatte répond « L'essentiel de la charge fiscale est porté par les ménages. Ils paient les deux tiers des prélèvements obligatoires, les impôts ont beaucoup augmenté en 70 ans et les données révèlent que les ménages ont porté la majeure partie de cette hausse. Ce n'est pas entièrement surprenant dans la mesure où la première recette fiscale est la TVA, payée par les ménages. Autrement dit, les citoyens et citoyennes sont les principaux contribuables de l'action publique en France. » Donc là l'opposition est entre les entreprises d'un côté, et les ménages de l'autre. Donc les entreprises, c'est le côté... L'entreprise, je ne vais pas vous faire un dessin. Hein. Puis les ménages, du coup, c'est les familles, les parents, les enfants, enfin les foyers, en fait, de personnes qui payent leurs impôts. Vous, moi, le commun des mortels, qui ne sont pas entrepreneurs. Enfin, même s'ils sont entrepreneurs par ailleurs, mais ce n'est pas dans le cadre de l'entreprise, du coup. J'extrapole un peu le texte parce que ce n'est pas forcément évident au premier abord de quoi on parle. Si on se tourne maintenant vers les aides publiques à l'économie, qui en bénéficie le plus ? Donc Anne-Laure Delatte répond, justement, dès lors que l'on sait qui contribue le plus, on voudrait savoir qui en bénéficie le plus. Je me concentre sur les aides publiques pour lesquelles il faut distinguer ce qui va aux ménages et aux entreprises. Sur ce dernier point, j'ai pu reconstituer des statistiques inédites depuis la fin des années 70. Principal enseignement, les aides aux entreprises ont considérablement augmenté. Celles destinées aux ménages n'ont pas diminué pour autant, les gouvernements ont juste distribué plus d'argent public aux entreprises. Depuis 1979, les aides publiques ont cru de près de 3 points du PIB et ces 3 points ont été entièrement distribués aux entreprises. Il faut souligner que 3% du PIB... Pardon. 3% du PIB, c'est énorme. En 1979, les ménages recevaient 5% du PIB en aide publique et en 2021, c'est encore le cas, mais les entreprises sont passées de 3,5% à 6,5% du PIB. Et si on ajoute les exonérations sociales dont on peut reconstituer les chiffres seulement depuis 1995, cette part est encore plus élevée. Au total, les aides publiques représentent 13,6% du PIB, dont 8,4% du PIB pour les entreprises. Point important, donc le PIB, c'est le produit intérieur brut. Hein. C'est je vais y arriver. J'ai voulu faire la maline. C'est un indice économique qu'on utilise régulièrement. Pour point important, une part de plus en plus significative de ce soutien budgétaire a pris la forme d'exonération fiscale et sociale de niche plutôt que de subventions directes. J'imagine que c'est lié à la pandémie, tout ça. Or, pour que les ménages puissent bénéficier de réductions d'impôts, il faut déjà en payer. L'exonération la plus coûteuse pour les finances publiques concerne l'emploi à domicile qui profite 3 fois plus aux plus riches qu'aux plus pauvres. L'accroissement des aides aux entreprises ne s'est donc pas fait au détriment des ménages aisés. Pourquoi les aides ont-elles pris de plus en plus la forme d'exonération fiscale et sociale plutôt que d'aides directes ? Plusieurs raisons peuvent être avancées. D'abord, il y a le pas vu, pas pris. Si l'on veut connaître le montant des subventions directes, il suffit d'aller sur le site de l'INSEE. Pour les niches fiscales, l'information se trouve dans les documents budgétaires moins accessibles. Et pourtant, on parle de sommes aujourd'hui supérieures à 150 milliards d'euros et qui font assez peu l'objet d'un débat public. Ensuite, c'est plus facile à cacher que des subventions surveillées par la Commission européenne. Enfin, on peut penser que les grandes entreprises bénéficient davantage des exonérations qu'elles ont les moyens de mobiliser et qu'elles ont poussé à développer. Vous dites que l'action monétaire publique est entièrement au service du marché. Comment justifiez-vous ce constat ? Pour évaluer le poids de l'intervention de l'État, il m'a paru important de prendre en compte l'intervention budgétaire et aussi monétaire. Même si la Banque de France est indépendante du pouvoir politique, c'est bien un acteur public et il est important. Son intervention dans l'économie française est actuellement 2 fois plus conséquente en pourcentage du PIB que dans les années 60.
Quand elle achète des obligations d'entreprises privées, le soutien qu'elle leur apporte est direct, mais l'essentiel de ses interventions consiste à acheter des titres de dette souveraine. En 2023, la Banque de France finance autant l'État qu'après la Seconde Guerre mondiale. Elle détient un quart de la dette publique, la même proportion qu'en 1949. Dans les décennies qui ont suivi le conflit, elle finançait directement les secteurs choisis par la planification sous le contrôle du Parlement. Désormais, la philosophie est différente. Les titres de la dette publique française représentent aux yeux des créanciers un actif sûr, ce qui signifie qu'ils sont acceptés comme garantie pour obtenir des prêts, ce qui permet de développer l'économie. Quand la Banque de France intervient en achetant des titres de la dette publique, elle aide à maintenir le côté sûr de ces actifs et leur capacité à être mobilisés en garantie, en collatéral, disent les financiers, pour obtenir des crédits. Mais cela a également contribué à permettre à l'État français de bénéficier de taux d'intérêt bas et de réduire le coût de la dette publique, point d'interrogation. Anne-Laure Delatte répond « Bien sûr, on fait face là à une injonction contradictoire. Quand la Banque de France assure la qualité de la dette publique et permet au crédit de fonctionner, tout va bien. Mais lorsque dans le même temps cela réduit le coût de la dette publique, au lieu de dire « profitons des taux bas pour investir », nos gouvernants nous disent qu'il faut absolument réduire la dette. » Les taux d'intérêt sont plus hauts aujourd'hui. Une fois l'inflation prise en compte, ils restent néanmoins faibles et c'est toujours le moment d'en profiter. Mais le ministre des Finances nous répète qu'il faut au contraire limiter la dette. Vous dites que l'action publique profite aux entreprises les plus polluantes. Et Anne-Laure Delatte répond « Le constat est déprimant mais malheureusement réel. Côté budgétaire, j'ai décomposé les aides directes aux entreprises dont on a vu que ce n'était qu'une partie des aides totales. En quatre secteurs, du moins polluant au plus polluant. » Résultat, depuis 1979, le secteur le plus polluant reçoit le plus d'aides et autant que les trois autres. Cela représentait en gros 0,7% du PIB en 1979 et 1,7% aujourd'hui. De plus en plus d'argent public finance le réchauffement climatique. Je suis en train de faire le même travail sur les exonérations fiscales et sociales et je crains d'arriver à la même conclusion. Ce n'est pas surprenant car c'est l'industrie qui a perçu le plus d'aides. Du côté monétaire, je me suis appuyée sur un travail qui montre que la Banque de France finance essentiellement les secteurs carbonés. Là encore, ce n'est pas étonnant car la Banque centrale se doit de respecter la neutralité de marché. Ces interventions doivent conserver l'équilibre voulu par les créanciers. Or, ceux-ci financent prioritairement les secteurs bruns. Un pognon de dingue, ouais, comme tu dis. Mais la Banque centrale européenne n'a-t-elle pas justement changé ses règles pour résoudre ce problème ? Tout à fait. Depuis l'automne 2022, elle a rompu avec la neutralité de marché pour ne plus privilégier les secteurs bruns. C'est une véritable révolution. Les banques centrales sont des institutions conservatrices qui ne changent pas souvent d'avis. Pour autant, l'économiste Isabelle Schnabel, qui est membre du directoire de la BCE et qui a poussé cette évolution soutenue par la France et les Pays-Bas, a reconnu que même si la procédure vient d'être accélérée en mars 2023, la moitié du portefeuille de la BCE sera encore carbonée en 2030. En conclusion de tous ces constats, vous écrivez « L'État ne nous protège plus, c'est un peu fort, non ?» Oui, c'est un peu fort, mais nous sommes un pays dans lequel la population est très attachée à l'État-providence et aux services publics. Les citoyens ont pourtant l'impression que les deux s'affaissent. La réforme des retraites vient encore une fois de le démontrer. Parmi les solutions, vous proposez d'instaurer des conditions environnementales aux aides publiques. C'est plus facile à faire que dans les années 50-60. À l'époque, il fallait rebâtir tous azimuts. Aujourd'hui, l'objectif prioritaire est de maîtriser nos émissions de carbone. Il est possible de calculer les émissions par secteur et par entreprise et cibler les aides vers les comportements vertueux. C'est possible. Le budget vert, c'est-à-dire tout ce qui est dans les dépenses de l'État, est en faveur de la transition. S'élève à peu près de 40 milliards d'euros quand l'essentiel des plus de 200 milliards d'aides va vers le brun. Or, dans la préservation du gouvernement, presque tout ce qui n'est pas vert est neutre. Cela revient à considérer que verser des subventions à Total a un effet neutre sur nos émissions. C'est un des messages que je voudrais qu'on retienne. Que proposez-vous du côté de la politique monétaire ? Anne-Laure Delatte répond deux choses. D'une part, que la Banque de France achète des obligations souveraines, vertes. Si c'était une condition d'achat de titres, les États seraient incités à en émettre. D'autre part, les États qui ne font pas suffisamment d'efforts en matière de décarbonation ne devraient plus être soutenus. Mais aucun État ne fait suffisamment d'efforts. Anne-Laure Delatte répond. Isabelle Schnabel souligne que l'on ne peut tout de même classer les États européens. Il y a une certaine hétérogénéité qui permettrait de faire des choix. Mais quand l'État français est condamné pour une action climatique, cela voudrait dire que la BCE aurait dû arrêter d'acheter de la dette française et provoquer des tensions sur les taux d'intérêt.
Anne-Laure Delattre répond « Les choix de la Banque centrale obéiraient plutôt au suivi de la dynamique de réduction des émissions de CO2. Ce genre de condamnation pourrait représenter un élément perturbateur, et tant mieux si cela doit inciter l'État à plus se préoccuper de son action climatique que du niveau de la dette publique. » Enfin, vous appelez également à un contrôle de la Banque centrale par des parlements nationaux. Alors, c'est pas la dernière question, désolé. Anne-Laure Delattre répond « Je ne remets pas en question la dépendance de la Banque de France vis-à-vis du pouvoir politique. Ce n'est pas au ministre des Finances de fixer le niveau des taux d'intérêt. J'ai précédemment souligné la nécessité que le titre de la dette publique reste un actif sûr. En revanche, compte tenu des montants de financement que lâche la Banque centrale sans aucun contrôle citoyen, il me paraît nécessaire que puisse exercer un droit de regard parlementaire sur ses actions. Quand on dit que c'est la Banque centrale européenne qui fait la politique monétaire, ce sont en fait les banques centrales nationales qui se coordonnent pour définir cette politique. » Faire contrôler les banques centrales nationales par les parlements nationaux redonnera du contrôle démocratique sur les décisions de politique monétaire. Vous misez aussi sur le développement des SCOP. Anne-Laure Delattre répond « La logique du profit est contradictoire avec la logique de protection de l'environnement. Soutenir des entreprises qui ne cherchent pas à cumuler le plus de profits possible contribuerait à répondre à l'urgence climatique. Les salariés réclament de plus en plus que les valeurs de l'entreprise soient associées à la défense de l'environnement. » Deux freins empêchent le développement des SCOP. Le premier intervient à la création. Il n'est pas évident de créer une SCOP. Il s'agit d'investir de l'argent qui sera ensuite dilué au profit des salariés. L'État devrait alors mettre au pot pour permettre à la création de genre d'entreprise. Second écueil, comment fait-on pour les entreprises existantes ? L'exemple scandinave peut servir de piste. Une loi proposant de diluer petit à petit le capital des entreprises a été discutée dans les années 60, puis mise en place dans les années 70, pour être finalement démantelée dans les années 80 du fait de la poussée des idées libérales, mais le climat intellectuel est différent aujourd'hui. Toutes vos solutions prennent du temps face à l'urgence climatique. Cela dépend de qui mène l'action publique, de qui l'on place au pouvoir. La pandémie a accéléré les choses, il y aura d'autres chocs dans les années qui viennent, et les choses peuvent aller très vite. Je pense que le système économique actuel est en train de se craqueler. Ma crainte est que ce soit les forces politiques d'extrême droite qui récupèrent la mise en promettant une rupture qui se produira sur les questions sociales, avec racisme, préférence nationale et sexisme à la clé. Mais sans remettre en cause la logique économique actuelle. Et je suis complètement d'accord avec cette crainte-là, et c'est ça qui me fait le plus peur aujourd'hui. Ce serait le pire des scénarios. L'alternative à gauche en est aujourd'hui au stade de la construction intellectuelle et reste moins aboutie sur le plan pratique et de l'incarnation. Il est temps qu'elle franchisse un cap. Donc les propos d'Anne-Laure Delattre ont été recueillis par Christian Chavagneux pour Alternative économique. J'étais en train de lire les mentions légales. Je suis pas en train de faire du commerce, on est d'accord. On est sur un React. Je peux faire ça, du coup. Bref. Très intéressant comme article. Merci beaucoup pour le partage. On continue. Des bébés manchots de Magellan. C'est pas très réjouissant, hein, quand même. Tous les constats sont les mêmes, hein, de toute façon. I know. Oh. I know. Oh, elle veut pas qu'on approche de ses bébés. I just wanna see your baby. Oh. Trop mignon. You're doing so good, mama. I just want to see your baby. You're doing so good, mama. Alors, une nouvelle qui a été envoyée par Alex Scott qui nous dit qu'une personne a été retrouvée morte dans le plus grand CRA de France métropolitaine ce matin. Plusieurs retenues que PolitiCFR a pu contacter. Plusieurs retenues. Je dirais détenues, du coup. Affirme que celui-ci avait été passé à tabac par la police, à lire en accès libre. Alors, c'est parti. Un article de Hugo Boursier, mort suspecte au centre de rétention de Vincennes. La police accusée, un retenu, alors on dit pas un détenu, on dit un retenu, a été retrouvé mort ce vendredi 26 mai au centre de rétention administrative de Vincennes. Donc CRA, ça veut dire centre de rétention administrative de Vincennes. Ouais, du coup, retenu, retention, retenu, voilà.
Plusieurs témoins affirment qu'il avait été frappé la veille par des policiers après s'être plaint de ne pas pouvoir être conduit à l'hôpital depuis plusieurs jours. Un article de Hugo Boursier et Pierre G. Kiesdalk le 26 mai 2023 sur Politis. Ça, c'est le centre de rétention administrative de Vincennes. Un retenu a été retrouvé mort ce matin. Le bienvenue, Bogossa, parmi nous. Merci pour le follow. Au bâtiment de ce matin du 26 mai 2023, donc c'était le 26 mai, au bâtiment numéro 1 du centre de rétention administrative de Vincennes. L'information confirmée. Bonjour. L'information confirmée auprès de Politis par l'ASFAM, l'association en soutien aux personnes exilées sur place appartenant au groupe SOS, a été rendue publique par le collectif à bas les CRA sur Twitter. Contactés par Politis, plusieurs retenus ont précisé que la personne d'une cinquantaine d'années et originaire d'Égypte était malade depuis au moins une semaine. Il était entré au CRA début mai. Alors les CRA, c'est une vraie catastrophe. Moi, de toute façon, globalement, je suis assez d'accord pour les fermer. C'est n'importe quoi de vouloir renvoyer des gens dans leur pays, quelle qu'en soit la raison. Il voulait être soigné à l'hôpital, mais les policiers refusaient, indique l'un d'entre eux, joint par téléphone. Certains de ces retenus affirment qu'il a été frappé trois fois, par trois policiers jeudi 25 mai. Il a été tabassé par les flics hier, puis il est rentré dans sa chambre, et ce matin vers 9h, il y a des gars qui l'ont retrouvé inconscient. C'est un live de quoi ? C'est un live d'actualité. On parle de l'actualité aujourd'hui. On parle de l'actualité de la semaine ou des deux dernières semaines, en l'occurrence. Voilà. On lit l'actualité et on réagit à l'actualité. T'es pas obligé de rester. Hein. Tu sais, si ça t'intéresse pas, il y a d'autres lives probablement beaucoup plus intéressants de gaming ailleurs. Voilà, voilà. Et on essaie de passer d'un article un peu dur à quelque chose un peu plus léger pour essayer de digérer tout ce qui se passe. Mais ouais, ça c'est un peu lourd là, j'avoue. L'actualité là qu'on est en train de lire est très lourde. Il a été tabassé par les flics hier, puis il est rentré dans sa chambre. Et ce matin vers 9h, il y a des gars qui l'ont retrouvé inconscient, rapporte le collectif à bas les CRA, citant un retenu présent au centre. Déjà deux morts en 2019, une altercation à la suite de laquelle des blessures auraient été constatées au niveau du visage du retenu. Les policiers lui ont pété une dent et il saignait de partout, décrit en pleurs une personne présente. Il y a un jeu en open source où il faut échapper d'un CRA. Je ne sais pas. Surtout que je cherchais un truc qui n'a pas beaucoup de rapport. D'accord, bah écoute, bonne recherche. Décrit en pleurs une personne présente, liberté, qualité, fraternité qu'ils disent, ajoute-t-il, joint le ministère de l'Intérieur, n'est à ce stade pas en mesure de commenter l'information. En même temps, je pense qu'ils commenteront jamais l'information. Hein. Plus grand CRA de France métropolitaine après celui de Mayotte, le centre de Vincennes avait déjà connu deux morts en 2019. Il est régulièrement critiqué pour ses conditions de rétention. D'après Abba, les CRA, depuis deux jours, une grève de la faim a été lancée par une majorité des retenus du bâtiment 2 pour protester contre les violences policières, la réduction du temps de parloir et la mauvaise qualité de la nourriture. Un rassemblement est prévu à 19h30 ce soir devant le RER de Joinville-le-Pont. Ce soir, la préfecture de police de Paris annonce à Politis qu'une enquête a été ouverte pour établir les causes et circonstances du décès. C'est, je pense, important de savoir qu'il existe des centres de rétention administrative, de savoir comment ça se passe dans ces centres de rétention administrative et de se renseigner sur ça et d'arrêter de nier qu'il y a des violences policières. Alors non, il n'y aura pas d'article sur Shrek, non. Non. Non, non. Pas ce matin. Je pense qu'on n'en a jamais lu. Un serval en train de jouer. Allez, on fait parce que bon, là, c'était un peu beaucoup lourd quand même. Hein. Alors, moi, j'ai éteint mon casque du coup. Je remets. Je sais pas avec quoi il joue par contre. Il s'amuse bien. Il est content. Mais non, il faut pas oublier qu'en France, en 2023, la police tue. C'est pas que depuis cette année, hein. C'est pas nouveau, malheureusement. La police, cette hérésie administrative, devrait interdire la police. La police municipale, ok. La police nationale devrait être fermée pour toujours. Allez!
Allez, on va partir à la France insoumise, donc toujours pas Shrek. En même temps, il s'avère que Shrek s'est taillé avec la caisse du château. Il a refilé le fric pour financer une campagne politique, on en parlera sûrement. Oui, là, je veux bien qu'on en discute, d'accord. ça peut être intéressant. Le refus, donc pluralisme, culture politique, ce qui divise la France insoumise. Ça, c'est un article qui m'intéressait sur le coup. Du coup, je me suis dit, waouh, ça peut être cool à lire ça. Ouais, trop bien, on va parler de la France insoumise. Une fois n'est pas coutume. Le refus de Clémentine Autain et d'Alexis Corbière de siéger dans le bureau du groupe parlementaire de la France Insoumise ravive les tensions internes. En parallèle, un appel de militants à la démocratisation du mouvement et la création de la gauche écosocialiste témoigne d'une aspiration à l'ouverture. Je trouve ça très drôle qu'enfin ils se rendent compte que leur parti n'est pas du tout démocratique, c'est très très intéressant. Un article donc de Mathieu Dejean qui a été publié le 25 mai 2023 à 19h31. Le groupe vit mal, c'est ce que confient ces derniers jours plusieurs parlementaires de la France Insoumise qui se disent exténués par des échanges violents avec le noyau dur dirigeant du mouvement. La constitution du nouveau groupe du nouveau bureau du groupe parlementaire mardi 23 mai a fait ressurgir les tensions mises entre parenthèses pendant la bataille des retraites. Clémentine Autain et Alexis Corbière, à qui une place était proposée dans l'organigramme, respectivement la bataille parlementaire et la lutte contre l'extrême droite, l'ont refusé, aux grandes dames du coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, soucieux de ne pas générer une nouvelle polémique. Bah, c'est mort là, c'est loupé, hein. Notre départ se fait dans une volonté d'apaisement pour tenter d'abaisser le niveau de tension interne et parce qu'il reste des différences d'approche politique entre nous qui ont à voir avec la culture politique et le pluralisme, explique la députée de Seine-Saint-Denis, Clémentine Autain. J'ai pas l'impression que ça apaise beaucoup. Bonjour Manu Vera, débarquant sur Twitch et découvrant le concept. Bienvenue parmi nous, merci pour le follow. Lol, l'article, ouais, t'as vu. Je souhaite qu'il continue à être membre du bureau, notre de la rédaction, du coup, enfin oui, du coup, c'est... Je souhaite qu'il continue, y compris pour discuter d'éventuelles différences de point de vue, parce qu'ils ont une expérience utile, mais je respecte leur choix et je sais qu'ils continueront à travailler en dehors du bureau. Regrette pour sa part sa collègue Aurélie Trouvé. Contactée, Manuel Bompard n'a pas souhaité répondre. C'est étonnant. Dans le bureau précédent, Clémentine Autain et Alexis Corbière participaient à l'intergroupe de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, ce qu'on appelle donc la NUPES. Cette tâche sera désormais assurée par Manuel Bompard, la présidente du groupe Mathilde Panot et la députée du PAS de Paris, Danielle Obono. François Ruffin, lui, n'a pas souhaité rempiler pour un deuxième mandat d'un an. Damien Maudet, député de la Haute-Vienne et son ancien collaborateur parlementaire, le remplace. Pascal Martin, députée de la Dordogne et militante féministe qui avait haussé le ton contre la première réaction de Jean-Luc Mélenchon à l'affaire Quatennens, n'a pas non plus souhaité renouveler l'expérience humainement difficile. Tu m'étonnes. Ces défections ravivent la crise déclenchée par la mise en place de la nouvelle direction de la France Insoumise en décembre 2022. Plusieurs figures de l'insoumission, qui avaient participé à trois campagnes présidentielles de Jean-Luc Mélenchon, avaient été parmi les premiers et premières députés du mouvement en 2017, en avaient été écartées, ce qu'elles avaient dénoncé dans la presse. Depuis, elles ont fait l'objet d'un procès en déloyauté permanent. Invisibilisant leur demande de plus grande démocratie interne et de prise en compte du pluralisme des sensibilités. Genre, tu veux une démocratie interne ? Ok, t'es pas loyal. Sérieux, quoi. Tout le monde a le droit à des vacances. Les éléphants aussi, avait réagi le député Paul Vanier à une interview d'Alexis Corbière dans Le Monde en décembre 2022. Toute la une pour nous salir, avait commenté Jean-Luc Mélenchon à la suite d'une interview de Clémentine Autain dans Libération à la même période. Leur refus de siéger au bureau du groupe est donc le signe d'un ras-le-bol face à la violence politique dont ces deux historiques de La France Insoumise disent faire l'objet. En cause, des échanges dans la boucle Telegram du groupe La France Insoumise à laquelle Jean-Luc Mélenchon est le seul non-député à participer et un sentiment d'impuissance relative du bureau du groupe dont la réunion a eu lieu le mardi après que les décisions politiques ont été réellement prises lors d'une cascade de réunions de la coordination de la France Insoumise dont Jean-Luc Mélenchon est membre le lundi. Donc Jean-Luc Mélenchon qui n'est pas député est toujours dirigeant de la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon qui n'est pas dirigeant de la France Insoumise est toujours dirigeant de la France Insoumise. C'est l'horreur en fait. Ce parti, c'est un mouvement, hein. Bah, c'est l'horreur en fait, c'est n'importe quoi, c'est juste une hérésie. Les volontés d'apaisement qu'ils ont formulées n'a cependant pas eu d'effet.
Dans Le Parisien, sous couvert de l'anonymat, ce qui est d'habitude reproché aux personnalités critiques de la ligne, Alexis Corbière et Clémentine Autain sont qualifiés de bande de melons, de bande des melons, par un député insoumis. Je regrette vivement les propos assez injurieux tenus en off dans Le Parisien qui sont révélateurs d'un climat qu'une petite poignée de personnes tente d'imposer, réagit Alexis Corbière, qui n'en dira pas plus, pour ne pas alimenter de nouvelles polémiques. Comment se sont retrouvés sur Telegram et pas sur Signal? Oh bah... Telegram est quand même plus accessible que Signal, je pense, hein, pour le commun des mortels, parce que Signal, c'est compliqué. Hein. Et puis c'est pas, Signal fonctionne pas super bien sur tous les smartphones. Hein. Je l'ai expérimenté sur Asus, ça marche très mal. Donc c'est pas facile d'utiliser Signal finalement. Donc là maintenant, je suis sur Samsung, mais Signal fonctionne bien. Mais encore, je reçois pas les notifications des messages. Du coup, faut que je me connecte régulièrement sur Signal pour pouvoir... recevoir les notifications, et comme personne ne me contacte sur Signal. Enfin, une fois, je reçois un message par mois, donc c'est un peu... c'est un peu galère, un Signal. Il y a des trucs qui ne fonctionnent pas très bien partout. Après, c'est peut-être une question de mise à jour de l'appli. Mais... et voilà. À l'échelle du mouvement, des demandes de démocratisation. Cette algarade intervient alors que le 15 mai, Manuel Bompard a reçu une lettre signée par 300 militants et militantes, dont les co-animateurs de groupes d'action du mouvement. Cet appel pour la 6e République à la France insoumise rejoint les demandes de démocratie interne à l'échelle du mouvement formulées notamment par Clémentine Autain à ses dernières universités d'été. « Nous traversons une véritable crise interne liée aux décisions verticales à répétition que nous subissons », écrivent-ils, ajoutant que des camarades s'éloignent découragés alors même qu'ils restent en accord avec notre projet commun. Les initiateurs de cet appel réclament la tenue d'une convention militante visant à remettre à plat le fonctionnement interne. Loin du triomphalisme affiché par la direction de la France Insoumise au sortir de la mobilisation contre la réforme des retraites, dans laquelle ils n'ont pas ménagé leurs efforts, ils considèrent que leur mode de fonctionnement actuel n'est pas à la hauteur des enjeux qui secouent le pays. Alors, je vous le dis, si la France Insoumise... Alors, je le dis, hein, je fais l'annonce, hein, je pense que je le referai, que je le republierai sur mon compte Twitter pour qu'ils aient l'information quand même, parce que je ne pense pas qu'ils regardent mon live, donc voilà. Si la France Insoumise souhaite remettre à plat le fonctionnement interne de son parti et qu'ils souhaitent avoir des... que ça les intéresse d'avoir des conseils sur comment prendre des décisions tous ensemble, collégialement, avec ou sans outils numériques, hein, mais comment est-ce qu'on peut organiser une organisation politique de manière démocratique, je suis toute disposée et volontaire pour les y aider et pour participer peut-être à des ateliers pour leur expliquer comment fonctionne par exemple la démocratie délégative ou comment fonctionne le jugement majoritaire. Voilà. Avec grand plaisir. Ça sera vraiment une occasion très intéressante de dialoguer avec cette organisation, même si je me fais régulièrement agresser par les membres. Après, ça veut dire aussi qu'il va falloir qu'ils ravalent un peu leur fierté. Parce que bon, voilà quoi. Qui souhaiterait rejoindre une force dans laquelle les décisions sont monopolisées par un petit groupe de personnes? L'affaiblissement de notre influence doit nous faire réagir. Des militants nous quittent, des sympathisants s'éloignent. Les travailleurs ne s'engagent pas avec nous, s'inquiète-t-il. Plusieurs députés ont demandé à ce qu'une réponse leur soit faite. Enfin, parallèlement, Manuel Bompard a fait savoir son mécontentement aux dirigeants de la gauche écosocialiste, un micro-parti inscrit au sein de la France Insoumise dont Clémentine Autain est membre et qui a tenu son congrès de fondation le 11 mai. Le député Hendrik Davy, un des dirigeants de la gauche écologiste, la gauche écosocialiste, pardon, a eu le malheur de la qualifier de courant, un terme banni dans le mouvement mélenchoniste, réfractaire aux guerres de position interne. Il n'y a pas et il n'y aura pas de courant à la France Insoumise, a répliqué Manuel Bompard dans une lettre citée par Le Monde. Alors il y a deux manières de faire en sorte qu'il n'y ait pas de courant dans une organisation politique. Il y a la première, pardon, il y a la première manière qui est de créer une organisation démocratique avec des élections au jugement majoritaire pour des postes qui sont des postes à responsabilité et pas des postes de représentation. Donc ça, c'est la manière qui a été choisie par le Parti Pirate. Il y a une deuxième manière, une deuxième méthode, qui est d'avoir une organisation dictatoriale ou totalitaire, où le pouvoir est détenu par un petit groupe de personnes, plutôt flou, donc avec un leader suprême et des bras droits qui sont et qui peuvent sauter à tout moment. Et ça, c'est décrit par Hannah Arendt. Et donc effectivement, dans ce type d'organisation, il n'y a pas non plus de courant. Donc il y a la méthode très démocratique, et la méthode pas démocratique. Je pense que là, on sait très bien de quoi il est question.
Je ne préciserai pas. Je ne préciserai pas. Quand t'es insoumis, tu choisis la deux. Je ne préciserai pas. À vous de deviner. Voilà, voilà, voilà. J'utilisais le mot courant au sens de courant de pensée, pas au sens de courant interne. C'est un non-débat, corrige Hendrik Davy, qui précise que la GES partage le programme et la stratégie de la France insoumise et s'inscrit pleinement dedans. Au même titre que le Parti ouvrier indépendant, le POI, ou la REV, la Révolution écologique pour le vivant d'Émeric Caron. Pour autant, la GES souhaite porter l'idée du pluralisme à la France insoumise. En 2019, Hendrik Davy co-signait un texte avec Charlotte Girard, responsable du programme, qui a fini par quitter la France insoumise, dans lequel il regrettait qu'aucune véritable instance de décision collective ayant une base démocratique n'ait été mise en place à la France insoumise. Surprise ! Bah, en même temps, vous avez prévenu un petit peu quand même. Je parlais en général quand on est une personne insoumise, leur sauce interne, j'y connais rien, je fais pas de politique. Ah, si tu veux, je peux t'expliquer. Je peux t'expliquer. Bah, si tu veux, je peux te filer le lien d'un. Enfin, et tu sais quoi, tu vas sur ma chaîne YouTube, il y a une liste. Je vais te filer le lien vers la liste. Il y a une liste de. Il y a une playlist qui s'appelle Je vais vous faire aimer les statuts. Et dans laquelle j'explique les statuts des partis politiques. Et je lis les statuts des partis politiques. Alors, j'ai trouvé les statuts de la France insoumise. Tic-tic-tic-tic. Et tac-tac-tac. Je vais vous trouver ça. Je vais vous faire les... Il y a une vingtaine de vidéos, hein, quand même. Donc, j'ai commencé par... Alors, je vais arrêter ça. J'ai commencé par La République en marche. Et après, j'ai lu La France insoumise. Si ça t'intéresse vraiment, si vraiment tu souhaites aller plus loin sur le sujet, beaucoup des personnes qui sont ici aujourd'hui ou qui sont dans la communauté des bienveillants démocrates, hein, la CBD, donc c'est ma communauté du coup, sont déjà au courant de cette lecture de statuts, ont déjà connaissance de ma capacité à lire des statuts et à les comprendre et à vous les expliquer, et aussi de ma capacité à écrire des statuts également. Je vous invite vraiment, enfin, je t'invite, Trégui, à lire les statuts, à écouter mes lectures de statuts pour comprendre comment fonctionnent les organisations politiques qui dirigent le pays aujourd'hui. Je fais du conseil en entreprise. Alors non, j'en fais pas, mais pourquoi pas ? C'est un truc auquel je réfléchis parce que je me rends compte que de plus en plus de personnes ont des besoins pour intégrer la démocratie en interne. Je me dis que pourquoi pas, ça pourrait être intéressant peut-être de m'orienter dans cette direction. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire du conseil au changement et aider les gens à aller vers des organisations fluides et plus démocratiques avec une meilleure prise en considération des avis des salariés. Ça m'intéresse beaucoup de plus en plus. Après, je suis pas sûre d'être encore prête à partir dans une activité indépendante. Mais pourquoi pas, si l'occasion se présente, je serai très très volontaire et disposée à faire du conseil pour aller vers du changement de pratique, ouais. Des gens qui hésiteraient en une SCOP, CARL détenue à part égale, ouais, bah, enfin, après, là, c'est... Il y a des personnes, je pense, qui sont beaucoup plus qualifiées que moi pour faire ce genre de conseils, mais parce que j'avoue que dans le domaine de l'entreprise, moi, je travaille plus sur les questions de statutaires associatives et pas forcément entrepreneuriales, mais peut-être que je pourrais aider. Peut-être qu'il faut juste que je trouve un boulot qui soit dans ce domaine-là avant de me mettre en indépendance sur le sujet, dans une boîte qui ferait du conseil dans ce domaine-là pour apprendre aussi de mon côté. Voilà, voilà, voilà. Mais en tout cas, voilà, pour les lectures de statuts de partis politiques, ça c'est... Bon appétit, Manu. Ça, c'était un petit peu mon petit kiff. C'était il y a 2 ans, je crois que j'avais fait ça, ou 3 ans, je me souviens plus. Mais j'avais un petit peu pris plaisir à lire ces statuts. Je crois que c'était en 2021, il me semble. Voilà. Donc, bon visionnage, si vous avez l'occasion d'en regarder. J'utilisais le mot courant, donc ça, j'ai déjà lu. Au groupe, les 75... ça marche très bien, pas de soucis. Au groupe, les 75 députés sont égaux, et à chaque fois qu'il y a eu un désaccord, on a voté. Mais à la France insoumise, l'équation est beaucoup plus difficile, car il n'y a pas d'adhérents. Je pense qu'un engagement des gens dans la durée doit se justifier par la délibération sur un document d'orientation, et il y a des moments politiques où il faut faire des choix. Il faut donc savoir qui décide, défend Hendrik Davy. Bah, viens au parti pirate, hein, mon grand, parce que chez la France insoumise, je pense pas que ce soit prévu d'aller dans cette direction. Après, si c'est le cas, encore une fois, je suis complètement disposée à vous donner quelques conseils sur l'organisation démocratique
et pour, enfin pour vous permettre de faire du, de changer un peu votre organisation interne avec plaisir si vous avez besoin. Après, je fais ça gratuitement, hein, vous voyez. Je sais qu'il y a des journées d'été et c'est souvent l'occasion pour les militants d'apprendre des choses, de découvrir des méthodes de prise de décision et tout. Et si à l'occasion de ces journées d'été vous voulez inviter des pirates ou vous voulez m'inviter, parce que je serai peut-être la personne au Parti Pirate la plus à même d'expliquer comment fonctionne le Parti Pirate, parce que c'est un peu moi qui écris les statuts du coup, et j'en suis aussi porte-parole, et bien je serai très disposée et très volontaire pour venir à vos journées d'été, journées d'été ou université d'été, je sais pas comment ils appellent ça maintenant, voilà. Je ne sais plus comment ils appellent ça. Et même si j'ai beaucoup de mal avec beaucoup de militants de la France Insoumise qui sont ultra violents et ultra agressifs, je ne doute pas que certains et certaines personnes à la France Insoumise soient en capacité d'écouter des personnes qui ne sont pas forcément membres de leur mouvement. J'imagine peut-être. Ça me fait marrer de dire ça, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne vous dirai pas pourquoi, de toute façon. Si je le savais. Bref... je continue. Dans un courrier en réponse à Manuel Bompard, la GES se défend. Nos propositions, comme celles de beaucoup d'autres insoumis, s'inscrivent dans une réflexion pour améliorer le fonctionnement démocratique, l'efficacité, l'ancrage territorial de notre mouvement. Une rencontre est prévue. Ah, une rencontre est prévue. Une rencontre est prévue, Loulou. Qu'est-ce que tu veux là? Qu'est-ce que tu veux là? Tu viens? Quand tu reviens là, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais? Bah, enfin. Une rencontre est prévue. Sur l'ancrage local, la mise en place des boucles départementales qui a lieu ces jours-ci pourrait répondre à une partie des demandes au sommet du mouvement. Cependant, la crispation est palpable sur fond de course interne pour la présidentielle de 2027. Il faut trouver un modus vivendi pour bien vivre ensemble. C'est une responsabilité collective d'y arriver pour incarner l'alternative à la Macronie et à l'extrême droite, conclut Clémentine Autain. C'est un article donc de Mediapart, écrit par, un article sur Mediapart, écrit par Mathieu Dejean. Voilà, je crois que je connais au moins une militante FI qui t'aime bien. Bah c'est cool, alors s'il y en a au moins une, c'est bien. Après, j'avoue que la France Insoumise, moi j'ai beaucoup de mal parce que je m'en suis tellement pris plein la gueule. Que voilà quoi. Allez, on va faire un petit tour chez les léopards. Les léopards de l'amour. Le nom d'un fleuve. C'est le nom d'un fleuve, l'amour. Qui vit dans le nord-est de la Chine. Alors, un article qui a été envoyé par Jérôme, Jérôme nous a, je pense, quitté, parce que je vois qu'il n'est plus sur le serveur. Jérôme est très fâché, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Les purges continuent au sein de la France Insoumise pour sauver. Bref, on ne sait pas ce qu'on doit sauver, certainement pas la démocratie interne. En tout cas, Quatennens verrouille le Nord, main mise sur les instances locales, intimidation, exclusion de militants réfractaires, des voix s'élèvent au sein de la France Insoumise pour dénoncer la purge opérée par le député et ses proches dans son fief. Je pense que je peux télécharger l'image. Enregistrer l'image. Voilà. Si tu veux bien, là. Tac, téléchargement. Voilà. Je pense que je vais pouvoir ouvrir là maintenant. Si ça va peut-être vouloir bien vouloir là. Hop. Voilà. C'est bon.
Comme la France insoumise, un grand raout, comme la France insoumise en a le secret. C'est un article de Julien Dufay et de Pierre Maurer dans Le Parisien du 26 mai. C'est un grand raout, comme la France insoumise en a le secret. Ce samedi 27 mai au matin, à Lille, plus de 130 militants locaux, responsables des groupes d'action du Nord, sont conviés à lancer la boucle départementale, nouvelle instance créée par la direction de la France insoumise. Mais la réunion pourrait ne pas faire le plein. Beaucoup n'ont pas envie de participer à ce qu'ils appellent une mascarade, confine élue insoumise frondeuse du coin. Frondeuse, déjà on parle de fronde à la France insoumise, c'est marrant. La réunion doit en effet acter le retour en force dans son fief du député du Nord, Adrien Quatennens, après plusieurs mois de relatif retrait à la suite de l'affaire des violences contre son épouse, pour laquelle l'ex-coordinateur de la France insoumise a été coupé de 4 mois de prison avec sursis et une suspension de 4 mois du groupe LFI à l'Assemblée. Bienvenue sous Alimentaire 17 parmi nous, merci pour le follow. Des groupes de militants décertifiés. Un comeback en forme de tour de vis, samedi, 10 responsables thématiques, 5 binômes, seront désignés par consensus. Comprendre sans vote. Or, selon un militant insoumis du département, on a appris que les postes avaient déjà été réservés à des proches d'Adrien Quatennens, non critiques sur son retour. Avant même l'affaire et depuis des années, Quatennens et ses proches avaient la main mise sur tout, poursuit le même militant. C'est un cercle qui se donne des places, notamment lors des investitures aux élections. Mais l'hiver dernier, l'affaire de la gifle a tendu des relations avec les militants les plus critiques. À Valenciennes, les jeunes insoumis se sont mis en grève militante et un groupe d'action a explosé. Dans le Nord, au moins 4 autres groupes se sont vus refuser leur certification par le National. D'autres ont été décertifiés car jugés trop timides dans leur soutien aux députés, ce qui empêche leurs responsables de participer aux réunions départementales. Une purge. Je viens du live de Samuel Etienne, ils t'ont recommandé. Ah ouais, ils, les abonnés de Samuel Etienne. Parce que du coup, c'est pas Samuel Etienne, je pense pas, parce qu'il m'apprécie pas beaucoup lui. Il y a une vraie reprise en main sur le mode autoritaire, dénonce l'élu cité plus haut. Les gens trop critiques sont sortis progressivement. Plusieurs insoumis assurent que des menaces à peine voilées ont été brandies. Les multiples personnalités de Samuel Etienne. Bonjour Classe Illusion. Parce que Samuel Etienne, qui a quand même attaqué une streameuse, je trouve ça un peu limite. Samuel Etienne qui n'invite aucune personnalité politique, je trouve ça un peu triste aussi. Aucune femme politique. Hein. Il a invité que des hommes politiques, il a invité aucune femme politique. Après, il a dit « Ouais, j'ai arrêté d'inviter les politiques parce que tu comprends... à chaque fois ça part mal, les viewers veulent pas, bah ok d'accord, mais tu t'es arrêté, t'as invité 3 hommes politiques et puis en plus notamment un agresseur et ça c'est pas ouf quoi, mais bon je suis pas sûre, enfin, je pense que lui il me connaît pas, donc il peut pas m'apprécier ou pas, c'est juste qu'il invite des personnalités politiques. Quand il invite des personnalités politiques, c'est des hommes quoi. Et maintenant, il n'invite plus de personnalités politiques, et je trouve ça triste, parce qu'il y a plein de femmes politiques qui gagneraient à être connues. Et il est hyper ultra misogyne, mais il ne sait pas, et c'est un secret. Alors, j'ai reçu un article dans lequel on m'a cité, comme quoi j'avais dit une connerie, par rapport au fait que Samuel Etienne n'avait pas reçu de femmes politiques. Et en fait, quand tu regardes tous ces lives, il y a au moins une femme dans chacun des lives. Alors, je trouve ça un peu triste de dire il y a au moins une femme dans chacun des lives, parce que sur chacun de ces plateaux, effectivement, s'il y a une femme de temps en temps, là, le dernier où ils ont parlé de sexisme dans le gaming, il y avait 4 hommes, c'est un peu triste. Bah, dans ce cas-là, t'en parles pas. Tu t'attends une autre fois pour en parler, peut-être. Mais du coup, je trouvais ça un peu triste qu'il ait ce comportement-là en fait, et qu'il n'arrive pas à donner de la visibilité à des femmes sur lui-même en a la responsabilité, qu'il n'arrive pas à donner de la visibilité au combat féminin et aux femmes dans ses lives. J'ai du mal un peu avec cet homme-là de plus en plus. J'appréciais beaucoup son travail au départ, je trouvais qu'il était bienveillant, qu'il était intéressant, et puis plus j'analyse ce qu'il fait, plus je regarde ce qu'il fait, et plus je me dis quand même, il y a un truc qui me dérange. Il y a vraiment un truc qui me dérange. Et salut Cyril Hoche, il ne connaît pas le Parti Pirate. Bah, je crois que si, il connaît, mais il ne nous invite jamais. C'est la responsabilité des journalistes aussi,
d'inviter des personnalités politiques, d'autres organisations politiques, pour leur donner de la visibilité, pour que ces organisations politiques puissent derrière exister. Si moi, je suis porte-parole du Parti Pirate, je suis présidente du Parti Pirate International, si vous voulez qu'on entende parler du Parti Pirate, il faut qu'on en parle de nous dans les médias. Si on veut parler de nous, pouvoir parler de notre programme à nous dans les médias, bah, il faut qu'on nous invite pour pouvoir en parler. Alors après, nous, on se bagarre pour avoir de la place, c'est pas facile. On essaye d'avoir une visibilité, notamment lors des élections, c'est pas facile. Mais en dehors des élections, c'est difficile d'avoir de la place dans les médias et de se faire entendre, parce que les journalistes ne veulent pas qu'on intervienne dans les médias. Et ce qui est assez triste aussi, alors, pas tous les journalistes, hein, not all journalistes, on est d'accord, mais quand je dis les journalistes, je parle au sens large, hein, bien sûr. Ce qui est assez triste aussi, c'est que on nous dit « Ouais, mais vous avez pas d'élus et tout. » Ouais, mais attendez les gars, juste soyons bien d'accord. Emmanuel Macron, avant d'être élu président de la République, il avait pas d'élus non plus. Éric Zemmour, j'allais dire Jean-Luc Zemmour, non, désolé. Éric Zemmour, avant d'être candidat pour la présidentielle, il avait pas d'élus non plus. Donc, pourquoi est-ce qu'on dit « Ouais, mais vous avez pas d'élus ?» C'est complètement aberrant de dire ça. Non, on n'a pas d'élus. Bien sûr qu'on n'a pas d'élus. Vous nous donnez aucune visibilité. Donc, on ne peut pas avoir d'élus. Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On fait notre mieux pour pouvoir avoir de la visibilité par le biais des élections. Et on ne nous donne aucune visibilité sur les médias. Et oui, c'est vrai. En plus, c'est faux. On a des élus. On a deux élus municipaux. Ouais, mais quand on y dit on n'a pas d'élus, c'est on n'a pas de députés. C'est vrai qu'en France, on n'a pas de députés. En France, on n'a pas de députés. On a des députés au Luxembourg, on a des députés en Islande, on a des députés en République tchèque, on a des élus plutôt importants, municipaux et régionaux en Allemagne. Mais c'est vrai qu'en France, désolé, on n'a que des élus municipaux, on n'a pas de majorité, on n'a pas de... Enfin, Si, on a un maire, quand même, mais on n'a pas d'élus nationaux. Alors, oui, j'ai qu'à me faire sponsoriser par Rothschild. Bon, cela dit, ouais, je devrais faire ça. On devrait trouver des riches sponsors, des riches hommes blancs, parce que c'est un peu ça le problème, pour sponsoriser le Parti Pirate, pour pouvoir avoir une visibilité médiatique, ouais, c'est ça. Avoir un peu plus de... On aurait de l'argent, ouais, sans doute qu'on nous parlerait plus de nous, c'est vrai. Enfin, en tout cas, oui, bah écoutez, je suis contente qu'on parle du Parti Pirate sur le live de Samuel Etienne, et bienvenue à ceux et celles qui viennent du live de Samuel Etienne. C'est quoi l'équivalent de sugar daddy en politique? Je ne sais pas. Vraiment bienvenue parmi nous. Vous êtes les bienvenus, hein, et je suis contente de vous accueillir. Après, si un jour Samuel Etienne veut inviter des pirates, on peut lui envoyer des hommes, hein, si c'est que ça. On en a aussi des porte-paroles masculins. Moi, je serais contente d'avoir une possibilité d'exprimer les idées du Parti Pirate et d'exprimer le fonctionnement et les objectifs du Parti Pirate chez lui. Et d'avoir la possibilité de parler avec lui. Pourquoi pas sur son live, pourquoi pas même... ce serait encore mieux que ce soit sur France Télévisions, hein, un de ces quatre peut-être, on ne sait pas. Mais ouais, un jour peut-être. Un jour peut-être. Mécène, je sais pas si on parle de mécène en politique, je suis pas sûre. Faut mieux barrage aux pirates qu'au FN. Ouais. Bah c'est ça, c'est qu'il donne le champ libre au Front National dans les médias, il donne le champ libre à tout ce qui est raciste, misogyne, tout ce qu'on veut. Et par contre, quand il s'agit d'avoir des personnes qui militent, qui militent pour les droits, les libertés, la justice, l'équité, non, on va pas parler des pirates, enfin, c'est des cons. Je sais pas, c'est peut-être pour ça, j'en sais rien, je sais pas. Enfin, c'est un peu triste, ça me fait un peu de peine, mais bon, c'est pas grave, on a d'autres moyens, d'autres leviers. On est là aujourd'hui, on a notre chaîne Twitch. D'ailleurs, je rappelle que demain, on sera en live à 15h sur la chaîne Twitch du Parti Pirate, j'en profite. Ouais, je sais, la persifleuse, c'est pas une question d'homme ou de femme, mais plus d'historique qu'il a eu d'inviter des personnes politiques. Je sais bien, c'est ce qu'il a dit. Il a dit que oui, il avait invité des personnes politiques et puis le retour était plutôt négatif. Mais je pense que la raison pour laquelle, après peut-être que je me trompe, hein, mais la raison pour laquelle le retour était négatif de la part de sa communauté, c'est qu'il a invité les personnalités politiques qu'on a l'habitude de voir ailleurs. C'est-à-dire qu'il aurait pu inviter des personnalités politiques qu'on ne voit pas ailleurs, d'autres personnalités politiques, des femmes, pourquoi pas, mais d'autres personnalités politiques qu'on ne voit pas ailleurs, d'autres partis, d'autres organisations politiques. Le gars, il a invité François Hollande. Pourquoi ? C'est comme si François Hollande n'avait pas suffisamment de visibilité ailleurs. C'est ça qui me... Moi, j'étais limite choquée. Je me disais, mais
T'as une responsabilité, gars. Enfin, je sais pas, juste, t'as une responsabilité qui est importante de d'inviter des personnes qui sont peut-être inconnues ou peut-être moins connues et qui ont des vrais combats. Pourquoi t'invites François Hollande ? François Hollande, il lève le petit doigt, tout le monde l'invite. C'est juste, le gars, il est capable de payer n'importe qui pour écrire un bouquin. Demain, il publie un bouquin, il sera sur tous les plateaux. Pourquoi l'inviter dans ton live ? Voilà pourquoi il y a une polémique. C'est con, hein, mais ça n'a pas de sens d'inviter des gens qui ont pignon sur rue partout. T'invites des gens que tu vois jamais. Ça, c'est intéressant, ouais. Et là, ça aurait été... Je pense pas que sa communauté se soit levée et élevée contre lui s'il avait invité des personnalités pas connues. S'il avait donné une visibilité, c'est de sa responsabilité encore une fois, s'il avait donné une visibilité à des personnalités qui ont une façon différente peut-être de faire de la politique, qui font de la politique démocratique, peut-être que s'il avait fait ça, peut-être que sa communauté ne se serait pas élevée contre lui en mode « ouais, fais pas ça, c'est nul ». Bah ouais, fais pas ça, c'est nul. Moi je suis d'accord avec sa commu, hein. Pourquoi inviter François Hollande ? C'est quoi l'idée ? C'est quoi le délire derrière ? À quoi ça sert ? Le gars, on le voit partout déjà. On n'a pas besoin de le voir en plus chez Samuel Etienne. Enfin, il n'y a pas de raison. Bref. La relation est un peu moins saine que celle qu'on peut espérer avoir à mécène. C'est difficile en France, j'ai l'impression, de sortir en politique si tu n'es pas dans un gros parti. Bah, c'est difficile si tu n'as pas de thunes. C'est ça, hein, le secret, c'est la thune. Zemmour, Macron, ils avaient de la thune, hein. Il n'y a pas de secret, hein. C'est juste ça. C'est pas une question d'être dans un gros parti ou pas, tu peux avoir zéro adhérent. Regarde la France Insoumise, il n'y a pas d'adhérents. Ils ont de la thune, c'est juste ça. On sait si c'est lui qui allait chercher ses invités ou si c'est leur service de presse qui a fait le pied de grue pour les faire recevoir. Bah, là, je sais pas. Je sais pas s'il a pris ses amis, il a dit « Tiens, lui, c'est mon pote ». Alors, il y avait Julien Bayou aussi qui est allé là-bas. Julien Bayou, c'est pas ouf, quoi. Il aurait pu inviter Sandrine Rousseau, ça aurait été plus marrant. Chez les Verts. J'ai proposé plusieurs fois à ce qu'il t'invite, j'ai eu cette réponse. Ouais, je sais bien qu'il répond ça à chaque fois. On me le dit à chaque fois, on me dit « Ouais, on a proposé ». À chaque fois, il dit « Non, j'inviterai plus de personnalité politique ». Bah ouais, c'est dommage. C'est dommage. Après, moi, je suis pas une élue. Je suis pas là pour être élue. En plus, ça m'intéresse pas vraiment. Je suis là pour faire des campagnes, ouais, mais être élue, c'est Ouais, je vais me présenter pour la tête de liste des européennes, mais être élue, c'est à l'opposé de ce que j'envisage, de la façon dont j'envisage de faire de la politique. Donc, être élue, c'est vraiment c'est l'antithèse de moi, en fait. Voilà, je suis pas comme ça. Non, généreux donateur non intéressé. Kadhafi. C'est ça, même si t'as pas d'idée, mais t'as de la thune, bah du coup, il n'y a pas de... Pour Hollande, c'est le service de presse. J'ai pas de service de presse. Mon service de presse, c'est vous. Vous êtes mon service de presse. Merci d'ailleurs d'être mon service de presse. Tiens, j'en profite d'ailleurs, je vous dis. J'ai été invitée chez Raphaël Grably pour faire répondre à son podcast Métadonnées. Je sais pas si vous connaissez Métadonnées, c'est un podcast... qui est animé par Raphaël Grably sur BFM Business, je crois, ou BFM TV, je ne sais plus si c'est BFM Business ou BFM TV. Enfin, en tout cas, c'est un podcast, du coup, qui est plutôt intéressant, avec pas mal d'invités différents, sur des sujets qui sont liés aux données, aux data, au numérique. Et j'ai répondu à son podcast, j'y suis allée mercredi dernier. Donc, normalement, là, je sais qu'il est parti en vacances, mais normalement, après ses vacances, quand il revient, il va le publier. Donc je vais être sur BFM TV, bon. BFM Business, je crois. Enfin, peu importe du tout. Du coup, c'est cool. Enfin, c'est juste chouette. Et je crois que je m'en suis bien sortie. Après, vous me le direz. J'ai l'impression d'avoir dit quelques conneries. De toute façon, je suis pas infaillible, hein, comme vous le savez. Ça m'arrive de dire des conneries. Mais là, ça peut être cool. En tout cas, quand il sortira, je pense qu'on l'écoutera et je ferai peut-être un débrief de ce que j'ai raconté comme conneries. Je reprends la lecture si ça vous ennuie pas. Mais ouais, on reparlera à l'occasion de Samuel Etienne. Je pense qu'il y a des tas de choses à dire sur son comportement vis-à-vis notamment des... C'est Nathalie, je crois, qui s'en était pris plein la gueule, hein, pendant un live, la pauvre. Et c'est pareil, c'est la responsabilité de Samuel Etienne aussi de pas agresser ou de pas appeler à l'agression ou harcèlement d'une femme, quoi. Enfin, je sais pas, c'est bizarre quand même. Il l'a fait strike de Twitch, je crois.
Le React où tu expliques tous les trucs problématiques dans ce que tu racontais. Ouais, c'est ça. Je suis hyper critique avec moi-même, donc ouais, on pourra faire ça. À Valenciennes, les jeunes insoumis se sont mis en grève militante et un groupe d'action a explosé. Dans le Nord, au moins 4 autres groupes se sont vus refuser leur certification par le National. D'autres ont été décertifiés car jugés trop timides dans leur soutien aux députés, ce qui empêche leurs responsables de participer aux réunions départementales. Une purge. C'est hallucinant ce qui se passe quand même. C'est hallucinant ce qui se passe à la France insoumise. C'est pas normal, tu peux pas. Ça marche pas comme ça. Un mouvement démocratique, soi-disant, ben non, il n'y a pas de démocratie là-dedans. Tu ne montes pas de blanche. Si tu soutiens Adrien Quatennens, dans ce cas-là, tu peux faire ton petit mouvement, mais sinon, bah non. C'est quand même dingue. Il y a une vraie reprise en main sur un mode autoritaire, dénonce l'élu cité plus haut. Les gens sont trop critiques. Les gens trop critiques sont sortis progressivement. Plusieurs insoumis assurent que des menaces à peine voilées ont été brandies. Un militant du service d'ordre de Quatennens a clairement dit « Ceux qui ne soutiennent pas Adrien, il y aura des retombées et il ne faudra pas vous étonner. » Du coup, beaucoup se sont tus car ils ont peur, confie un insoumis. Démocratique avec Jean-Luc Mélenchon. C'est un peu antinomique, hein, on est d'accord. Un nouvel épisode a mis le feu aux poudres. Dans la région de Maubeuge, 2 militants historiques de la France insoumise, Fabrice Preux et Didier Motte, ont été exclus du mouvement par le comité de respect des principes, une instance nationale de 11 membres, dont 4 sont des Lillois, proches d'Adrien Quatennens. Il y a une vraie reprise en main sur un mode autoritaire, les gens trop critiques sont sortis progressivement. Dans un mail que nous avons pu consulter, on leur reproche d'avoir été les auteurs, lors des législatives, de propos homophobes, d'insultes et de comportements violents visant Malik Yayaten, comme ça qu'on dit, candidat dans la 12e circonscription du Nord, choisi par l'entourage de Quatennens contre l'avis de nombreux militants. Le comité leur reproche aussi d'avoir créé l'association Sambre Avenois Debout, sur le modèle de Picardie Debout, le mouvement de François Ruffin. Début 2023, dans le but de pouvoir présenter des candidats aux futures élections, même face à des insoumis. Des accusations formellement démenties par les intéressés qui ont décidé, selon nos informations, de porter plainte pour diffamation. C'est une mesure de rétorsion, car on ne veut voir dépasser qu'une seule tête, déplore Fabrice Preux. Ils sont en train de s'attaquer eux-mêmes, quand même. C'est assez fort, là. C'est très fort, ce qui est en train de se passer. Enfin, très fort. C'est d'une violence rare, en fait. En ce moment, la France insoumise, c'est le bateau ivre. Cette double éviction a créé beaucoup d'émotions. Plusieurs élus ont dénoncé une décision injuste. Le parti de gauche du Nord a déploré des méthodes qui soulèvent un profond questionnement. Le parti de gauche, quoi. Le parti de gauche, c'est le parti qui gère la France insoumise, quand même. Des méthodes qui soulèvent un profond questionnement. Même Philippe Juravert, conseiller régional francilien et compagnon de route de Jean-Luc Mélenchon, s'est dit choqué. Sollicité, les proches d'Adrien Quatennens n'ont pas souhaité répondre. Manuel Bompard, coordinateur national, précise que le comité des principes de la France insoumise prend ses décisions en toute indépendance à l'issue d'une enquête interne et d'une phase contradictoire, une réponse qui n'apaisera pas les insoumis du Nord où les critiques sur l'absence de démocratie interne font écho à celles qui s'expriment au niveau national depuis plusieurs mois. En ce moment, la France insoumise, c'est le bateau ivre, soupire une élue du Nord. Je ne comprends pas qu'on mette autant d'énergie à détruire tout ce qu'on a réussi à faire. Ce n'est pas en s'asseyant de façon aussi ostentatoire sur nos principes démocratiques et féministes qu'on arrivera à convaincre les électeurs. Enfin, il s'assoit sur rien du tout, hein. Il n'existe rien du tout au fond, donc c'est... Oui, c'est pas vraiment surprenant, on n'est pas surpris, hein. On n'est pas du tout surpris, n'est-ce pas? Allez, drôle et mignon, pour changer, parce que bon, hein, quand même. Ce soir, chez Boris, c'est soir à disco. Go, 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 show Boris. Appelez ce soir, il s'en fout, il a débranché le téléphone. Ce soir, chez Boris, c'est soir à disco. Go, 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 show Boris. C'est juste parce que c'était sympa. Je sais que je vais me faire strike pour la musique. Je vais devoir la remplacer ou virer le son, je m'en fous. C'était juste marrant. C'était juste très drôle. J'ai trouvé ça très très drôle. La suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? La 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 la. Alors, Cannes, Justine Trier remporte la Palme d'Or. Vous êtes tous au courant, je crois. Justine Trier a remporté la Palme d'Or et a fait un discours assez dur vis-à-vis du gouvernement. Je crois qu'on va l'écouter.
Anatomie d'une chute, c'est son film, et tire à boulet rouge sur le gouvernement français et la réforme des retraites. Le 76e Festival de Cannes s'est achevé, donc ce soir, c'était le 27 mai, avec la traditionnelle cérémonie de clôture. Après 2 semaines de séances intensives et 21 films en sélection, le jury présidé par Ruben Östlund a finalement sacré la réalisatrice française qui a tiré à boulet rouge sur le gouvernement français. C'est Jane Fonda qui a remis le prix suprême du Festival de Cannes après un discours où elle a évoqué le long chemin qui reste à parcourir sur la place des femmes dans le festival, même si elle s'est réjouie que cette réalisatrice soit en compétition. Et c'est justement la Française Justine Triet qui a raflé la Palme d'Or pour son film Anatomie d'une chute. C'est la 11e fois qu'un film français remporte le prestigieux prix. Un prix qui a rapidement pris une connotation politique. Après les traditionnels remerciements, Justine Triet a estimé qu'elle ne pouvait pas se contenter d'évoquer sa joie. Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique extrêmement puissante, unanime, de la réforme des retraites. Cette contestation a été niée et réprimée de façon choquante, et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines, socialement, mais aussi dans toutes les autres sphères de la société, et le cinéma n'y échappe pas. On va écouter ce qu'elle a dit. Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique extrêmement puissante, unanime, de la réforme des retraites. Cette contestation a été niée et réprimée de façon choquante. Et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines. Évidemment, socialement, c'est là où c'est le plus choquant, mais on peut aussi voir ça dans toutes les autres sphères de la société, et le cinéma n'y échappe pas. La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française. Cette même exception culturelle sans laquelle je ne serais pas là aujourd'hui devant vous. Largement applaudie par le public, elle poursuit « La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française. Ce prix, je le dédie à toutes les jeunes réalisatrices, à tous les jeunes réalisateurs et même à ceux qui aujourd'hui n'arrivent pas à tourner. À défaut d'avoir pu le faire directement au micro, la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, a réagi quelques minutes après dans un tweet. Si elle se réjouit de voir la Palme d'Or décernée à Justine Triet, elle se dit aussi estomaquée par son discours si injuste. Ne crachez pas sur la main qui vous nourrit. » Heureuse de voir la Palme d'Or décernée à Justine Triet, la 10e pour la France, mais estomaquée par son discours si injuste. Ce film n'aurait pas pu voir le jour sans notre modèle français de financement du cinéma qui permet une diversité unique au monde. Ne l'oublions pas. Le palmarès complet, le Grand Prix, a été attribué à The Zone of Interest du Britannique Jonathan Glazer, quand le film du réalisateur finlandais Aki Kaurismäki, Les Feuilles Mortes, a de son côté remporté le prix du jury. Côté comédien, le japonais Koji Yasusho remporte le prix d'interprétation masculine pour Perfect Days et la turque Merve Dizdar le prix d'interprétation féminine pour Les Herbes Sèches. Le prix de la mise en scène revient à la passion de Dodin Bouffant, du français Tran Anh Hung, celui du scénario à Monster et son scénariste Yuji Sakamoto. Enfin, un peu plus tôt, L'Arbre au papillon d'or du vietnamien Pham Thien Anh a reçu la caméra d'or et 27 de Flora Anna Buda a gagné le prix du meilleur court-métrage. Dans la notion de menace cachée, normalement, le mot caché est important. C'était pas vraiment caché, c'est ça? Pas trop, oui. Et forcément. Allez, on va faire un petit peu de jeu vidéo. Non, c'est comme regarder un jeu vidéo. C'est parti. Yes. Thank you.
C'est dangereux, par contre. Il faut sortir du... Sortir de la piste un peu, les gars. Permiso. Que tu dois avoir pour faire ça quand même. C'est trop bien. C'est trop bien. Alors on revient sur cette palme d'or qui a été décernée à Justine Triet. Encore une fois, Nicolas Mathieu a trouvé les mots. L'argent public n'est pas celui du gouvernement. L'exécutif n'est pas un comité de direction. Entreprise, hashtag Entreprise France. Nicolas Mathieu dit « On est quand même accablé de voir des ministres s'offusquer qu'une artiste critique un pouvoir, une politique, un gouvernement. Alors on va rappeler deux, trois fondamentaux. Vous n'êtes pas l'État. L'État, c'est nous, peuple de citoyennes et citoyens libres qui se gouvernent par votre truchement. Vous critiquez, ne remet nullement en cause les institutions. Vous ne financez pas le cinéma et la culture. Nous finançons le ciné et la culture via des dispositifs de solidarité collective dont vous n'êtes que les organisateurs temporaires. La main qui nourrit les artistes n'est pas la vôtre, c'est celle de la communauté nationale. » Vous n'êtes pas nos patrons, mais les serviteurs du bien public, et vous n'avez rien à dire des libertés qui nous appartiennent, que nous avons acquises et que nous exerçons exactement selon notre bon vouloir, parmi lesquels la liberté de nous exprimer et de vous critiquer. Votre pouvoir nous appartient. Nous vous le déléguons de manière temporaire. Il vous oblige et vous rend responsable devant nous. Vous n'êtes pas l'encadrement d'une entreprise qui n'aurait à répondre que devant le comité exécutif qui le nomme. C'est vrai que c'est très juste. Après, ouais, je connais pas Nicolas Mathieu. Et ouais, c'est très juste ce qu'il a raconté là. Bon. Alors on va voir une petite vidéo là, assez marrante et en même temps très affligeante. Rid of these corporations and these law enforcement agencies if we want to stop the socialist agenda. Exactly. I don't know if socialist is the exact word that I would use. I would call it communist agenda. Communist agenda. There really is going to be some redistribution of wealth because they stole our wealth. So there is going to be some. There should be a redistribution of wealth. There is going to be, yeah. So in order to get rid of communism, means get rid of the big banks. Yeah. Get rid of big pharma. Right. What else? Big tech. Landlords that like are coming in and buying like hundreds of properties. You don't even know where corporations. Right. Like China is doing it. Bill Gates. Zillow. Yeah. Need to get rid of pharma. Big pharma. Pfizer. Moderna. Yeah, that's right. You know what? Amazon. Pfizer. Moderna. Apple. We need to get rid of. The big pharma companies, the corporations, the big banks, in order to stop the communist agenda. You know what? Yeah, these big businesses, Amazon. This is the playbook for communism coming into our country. We gotta get rid of the banks if we want to stop the socialist agenda. Why do we need money anyways? I mean, honestly, I don't see why we need money. We can trade goods. I have a craft. I have a lot of craft. We're going to shut down the country ourselves. So the workers of this country need to get together, mm-hmm. Go on a general strike. Workers of the world unite. Okay, strike. And, you know, it stopped the communist agenda. ils sont fous. Ouais, ils sont fous. Non, ils sont pas fous, ils sont juste complètement cons. Ouais, ils savent pas. J'ai envie de les excuser, t'as vu. Ils savent pas, les pauvres, ce que c'est que le communisme. On leur a jamais dit, on leur a jamais expliqué, on leur a juste dit que c'était pas bien. On leur a jamais dit que le communisme, c'était ce qu'ils voulaient, en fait.
Allez, toujours dans la politique, parce qu'après tout, on est ici pour en faire, hein, mine de rien. Le président turc sortant, qui s'appelle Erdogan, vous connaissez, qui a distribué de l'argent aux partisans devant le bureau de vote où il a voté lors du second tour des élections. On va regarder ça. Tu fais ça en France, tu te prends une inéligibilité dans la gueule et tu finis limite en tôle, je crois. C'est pas la démocratie, ça, non. Non, non. Mm-mm. Tu peux pas faire ça en France, parce que c'est pas légal. Mais c'est légal en Turquie, pas de problème. C'est... En plus, c'est le sortant, donc qu'est-ce que tu veux dire, là ? Tu peux rien dire, le gars, c'est le roi sur terre, en fait. Me dites pas après que la Turquie est un état démocratique. J'y croirais pas. Alors, je peux pas lire cette vidéo, malheureusement. Tu peux distribuer des places en HLM et là, t'as pas d'emmerde. Alors, si tu te fais pas choper, ouais, t'as pas d'emmerde. Par contre, si tu te fais choper, c'est chaud. C'est très chaud. On va manquer de drôles et mignons, je vous le dis. On va manquer de drôles et mignons, donc n'hésitez pas à en balancer. J'ai entendu un bruit là derrière. C'était quoi ? Ça. Allez, j'accepte. Roland Garros, l'Ukrainienne Marta Kostyuk, sifflée par le Châtrier. Les gens devraient avoir honte. Alors, le Châtrier, c'est le nom d'un des cours hein, de Roland Garros. Il y a beaucoup, beaucoup d'articles là à lire encore et j'ai pas assez de drôles et mignons. Du coup, je pense que je vais devoir m'arrêter aujourd'hui. Dans pas longtemps. Après sa défaite contre Arina Sabalenka, 6-3, 6-2, dimanche au premier tour de Roland-Garros, Marta Kostyuk a refusé de serrer la main de son adversaire. L'Ukrainienne sortie sous les sifflets du cours Philippe Châtrier ne s'attendait pas à une telle réaction du public parisien, mais elle a d'autres soucis en tête et reste notamment toujours aussi remontée contre les joueuses russes et biélorusses. Oui, t'as un avertissement, au bout de 30 avertissements, on peut avoir un blâme, au bout de 30 blâmes, on passe devant un conseil de discipline et on peut être dégradé. Robert, il s'en fout, lui, il est pas gradé. Je suis pas sûre que ça marche comme ça, mais bon. Donc un article de Laurent Vergne sur Eurosport du 28 mai. Pour Marta Kostyuk, ce fut la double peine dimanche, battue sèchement par Arina Sabalenka, 6-3, 6-2. Dès le premier tour, l'Ukrainienne a en prime dû quitter le cours sous les sifflets du public du Châtrier, après son refus de serrer la main de son adversaire biélorusse. « Je ne m'attendais pas à ça, pour être honnête », a ensuite réagi Kostyuk. « Je n'ai rien de particulier à dire, mais honnêtement, les gens devraient avoir honte de leur attitude. » On verra ce qu'ils penseront de ça dans 10 ans, lorsque la guerre sera terminée. Je ne pense pas qu'ils se sentiront bien d'avoir agi comme ça. Très impressionnante lors de sa conférence de presse, où le côté très posé de la forme tranche avec la force du fond, la 39e joueuse mondiale s'accrochera quoi qu'il arrive à ses convictions et à leurs conséquences, puisque ce n'est ni la première ni la dernière fois qu'elle refuse de saluer son adversaire à l'issue d'un match. J'ai dit que je ne le ferai pas, et je ne sais pas pourquoi les gens pensent que je vais soudainement changer d'avis. Alors on va...
Regardez cette image. Cet match, ça va la calme. Deux manches à zéro, 6-3, 6-2. Je connais des joueurs et des joueuses qui soutiennent cette guerre. Elle ne méritait pas ça, a dit de son côté Sabalenka, à propos de la réaction du public français. Des propos qui n'ont ni touché ni apaisé Marta Kostyuk, dont l'ironie fait parfois l'effet d'une lame de couteau glaciale, comme lorsqu'elle assène un « je suis désolée pour elle », quand un journaliste lui rapporte les mots de Sabalenka, laquelle rappelle que cette guerre la place, comme les autres joueurs et joueuses russes et biélorusses, dans une situation délicate. La Biélorusse a ensuite tenu à préciser une fois de plus son point de vue sur le conflit. Je l'ai dit à maintes reprises, personne dans le monde, dans ce monde, qu'il s'agisse d'athlètes russes ou biélorusses, ne soutient la guerre. Personne. Personne. Comment pouvons-nous soutenir la guerre? Les gens normaux ne la soutiendront jamais. C'est aussi évident qu'un plus un, ça fait deux. Si nous pouvions l'arrêter d'une manière ou d'une autre, nous le ferions, mais malheureusement, ce n'est pas entre nos mains. Sauf que pour Kostyuk, cette réponse est sans intérêt parce que là n'est pas la question. Je pense qu'elle devrait d'abord parler d'elle-même. Il n'y a pas de nous, parce que je connais, je veux dire personnellement, des joueurs et des joueuses qui soutiennent cette guerre, a-t-elle lancé. J'ai l'impression que vous, les journalistes, devriez plutôt demander qui, selon eux, devrait gagner la guerre, et non s'ils sont pour ou contre la guerre. La guerre est là, maintenant, depuis 15 mois. Il ne s'agit donc pas de se positionner de façon théorique ou philosophique, mais de manière concrète. La guerre en Ukraine n'est pas une idée, mais une réalité. Je dois continuer à faire quelque chose de ma vie. Marta Kostyuk en a eu un nouveau rappel la nuit dernière quand la Russie a lancé une nouvelle attaque aérienne, notamment sur la capitale Kiev. Kiev, ce serait bien qu'ils écrivent ça correctement. Et salut Samuel Wimmer, merci pour le re-sub pour ton 3e mois consécutif. D'habitude, où réside encore une partie de sa famille. D'habitude, j'évite de regarder mon téléphone la nuit, mais quand je me suis réveillée à 5h du matin, je ne sais pas pourquoi je l'ai allumé, et j'ai vu que j'avais beaucoup de notifications, a-t-elle expliqué. Pas idéal à quelques heures d'un match en grand chelem. J'essaie de mettre mes émotions de côté chaque fois que je vais sur le terrain, évoque-t-elle. Je pense que j'y arrive mieux qu'avant, mais ça fait partie de ma vie. Le tennis aussi, même si elle a connu des jours plus heureux sur le circuit. A-t-elle pensé à tout arrêter? Oui, mais pas longtemps. Je continue à jouer au tennis parce que j'adore ça et que c'est mon métier. Je ne vais pas mentir, admet simplement l'Ukrainienne. Ça me permet de payer beaucoup de choses. Puis je dois continuer à faire quelque chose de ma vie. Alors je fais ce que je sais faire le mieux. Si je m'arrête de jouer, je pense que c'est la fin. Elle est également revenue sur ce qu'a dit Arina Sabalenka en amont de ce match particulier. Si elle me déteste, peu importe, mais ce n'est pas réciproque. D'abord a répondu sous forme de mise au point Marta Kostyuk. Je n'ai jamais dit publiquement ni en privé que je déteste Arina Sabalenka ou une autre joueuse. La haine comme l'amour relève de l'émotion. Moi, les gens peuvent me haïr ou m'adorer, je m'en moque. C'est d'ailleurs ce qu'elle a dit. Peu importe si je la déteste, mais si quelqu'un ne me respecte pas, c'est autre chose, parce que le respect, ce n'est pas une question d'émotion. Manque de courage. Les ponts semblent durablement coupés. Alors là, il y a une énorme faute que j'ai repérée à la lecture la première fois, je me suis dit quand même. La native de Kiev regrette que depuis le déclenchement de la guerre, personne n'ait pris la peine de venir s'adresser à elle ou à ses compatriotes. Il doit y avoir 5 Ukrainiennes dans le top 100. Ce n'était pas si difficile quand la guerre a commencé de venir nous parler pendant ne serait-ce que quelques minutes. Je ne sais pas, juste nous dire quelque chose. Quand on les croisait dans le vestiaire, c'était bouche fermée et regard vers le sol. Je ne comprends pas. Elles n'ont pas eu de courage. Bonjour Lazarosaur. Et si quelqu'un venait la voir maintenant pour discuter ou lui dire simplement quelques mots, comment réagirait-elle? Je ne sais pas si quelqu'un le fera, je n'y crois pas beaucoup, poursuit-elle, mais si c'était le cas, je ne sais pas quelle serait ma réaction, parce que quand même, 15 mois, ça fait long. Marta Kostyuk n'a pas remis les pieds dans son pays depuis 2 mois, après le tournoi de Miami, afin de travailler sur la fondation qu'elle a lancée. Elle vit temporairement à Monaco. Elle a ramené avec elle sa mère et sa petite sœur, qui vivent non loin de chez elle. Son père et son grand-père, en revanche, sont restés à Kiev. Je vis loin de chez moi, non par choix, mais parce que je ne peux pas rester à la maison, rappelle la joueuse de 20 ans. Wimbledon a annoncé son intention de loger les joueuses et les joueurs ukrainiens durant l'ensemble des tournois sur gazon qui vont se tenir sur le sol britannique. Un souci de moins, je ne dirais pas que cela montre que les gens comprennent ce que nous traversons, parce que c'est impossible de le comprendre vraiment, résume Kostyuk. Mais c'est un beau geste et au moins cela me permet de croire qu'il y a encore des gens bien dans ce monde. Peut-être qu'elle risque gros aussi. Poutine est un malade. Ouais, c'est possible. C'est possible. C'est très possible. Allez. On va passer un petit tour ici.
Alors attendez. Une sortie aujourd'hui? Ah oui, avec l'EHPAD. Oui. Où est-ce qu'il nous emmène? Oui. À la rivière. Oui. Mais c'est dangereux. Oui. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Kayak. Kayak, c'est vraiment dangereux. Il y a une sortie aujourd'hui. J'aime beaucoup les pubs en ce moment qui sont diffusées par le Palmacho. Je me marre beaucoup devant. J'ai vu un autre truc. Je vais aller voir. Je vais vous montrer parce que c'est très drôle. Il y avait celui-là aussi. Sacré caissière avec les pannes. Oui. Mais qu'est-ce qu'on a bu? Du gin. Du sky. Ah, du gin. De l'absinthe. Du gin. Du rhum arrangé. Du gin. De la vodka. Du gin. Du chouchen. Du gin. Du Malibu coco. Du gin. Du shot de tech paf. Du gin. Et maintenant, qu'est-ce qu'on boit? Citrate. Dis donc, on a pris une sacrée caissière avec les pannes. Voilà. Littéralement, toutes les Ukrainiennes, tous les Ukrainiens que j'ai croisés en France partent sur la Côte d'Azur ou à Monaco, MDR sûrement pour admirer les yachts arrêtés des oligarques. Je ne suis pas sûre, hein, mais bon. La suite, l'impact. Alors là, c'est un thread qui a été envoyé par Jérôme pour parler du renard, qui est très très long, très 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 long. Et étant donné la teneur des débats, qui ont eu lieu sur le serveur, sur le forum, étant donné les grosses tensions que la pose de ma motion ont généré, je vais m'extraire complètement de ce débat. Je veux pas participer parce que j'ai pas envie de m'en prendre plein la gueule comme ça a été le cas. Je vous laisse prendre connaissance de ce long fil qui est très intéressant et je vous laisse faire des propositions d'amendements en opposition ou pas à la motion que j'ai déposée sur le renard. Quant à moi, je ne vais pas m'exprimer sur le sujet. Je pense avoir déjà fait ma part. Et j'ai fait une proposition, comme je l'ai dit la semaine dernière, pour parler du renard au sein du Parti Pirate. Je m'en suis pris plein la gueule par une personne, par d'autres personnes à l'extérieur du Parti Pirate, mais par une personne au sein du Parti Pirate qui m'a carrément bloquée, en fait, sur Discord. C'est très violent, c'est très très violent. Donc, cette même personne a été intimidée d'autres personnes en privé. Ce comportement est juste inacceptable, donc j'attends des excuses maintenant de la part de cette personne. Moi j'attends des excuses et je pense que d'autres personnes attendent des excuses de la part de cette personne. Donc cette personne, j'espère, se reconnaîtra. Je pense que ce n'est pas acceptable d'avoir ce comportement au sein du Parti Pirate. Je pense qu'on est dans un endroit qui est censé être bienveillant et qu'on est censé être bienveillant les uns avec les autres. Se faire agresser comme ça a été le cas n'est pas normal. Donc j'ai demandé à ce que le Conseil de vie interne intervienne. Et pour ma part, je ne participerai plus à ce débat. Je refuse de rentrer dans un débat avec une personne qui me qualifie d'anti-science et qui m'insulte et qui m'agresse, comme ça a été le cas. Que ce soit au Parti Pirate ou même sur Twitter. Voilà, donc on fait démocratie. Quand on fait démocratie, on a le droit de débattre des sujets qui nous intéressent, mais pas de cette façon-là et pas avec cette agressivité-là. Si on n'est pas content... on peut aussi prendre le temps de réfléchir à la raison pour laquelle on n'est pas contente, mais pas en agressant les gens et pas en intimidant les gens non plus. Est-ce que je suis de l'ELV? Non, je ne suis pas Nicolas Sacco, bonjour, je ne suis pas de l'ELV, je suis membre du Parti Pirate. Et là, je suis assez énervée contre un des membres du Parti Pirate qui bafoue complètement toutes les règles de débat interne et qui détruit complètement l'espace sain qu'on essaye de construire au Parti Pirate. Donc voilà, je suis pas membre d'Europe Écologie Les Verts, quoi. Merci Arwitch. Voilà, j'attends des excuses. Je pense que cette personne, elle sera assez intelligente pour venir s'excuser pour son comportement déplorable. Moi, pour ma part, j'ai absolument rien à dire et j'ai aucune excuse à présenter parce que je crois pas avoir été agressive ni quoi que ce soit. Je pense que j'étais dans mon droit de déposer une motion sur le renard. J'avais pas besoin de solliciter un équipage sur le sujet, même si cette personne pense que j'aurais dû. Il y a une grosse vexation de sa part, je peux le comprendre, mais pas de cette manière-là, c'est pas normal. Je me fais déjà suffisamment agresser partout pour ne pas avoir à subir ça au sein du Parti Pirate français. Là, je pense qu'à un moment, il y a une intervention qui doit être nécessaire au niveau de la modération, parce que ça se fait pas, en fait. Ça, tu ne parles pas comme ça aux gens, tu n'agresses pas les gens comme ça. Enfin, ça va pas, quoi. C'est juste hallucinant. Donc, cette personne est partie du serveur, cette personne m'a bloqué sur...
sur Discord. Je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on continue à parler de cette personne. Mais si ça vous intéresse de lire ce fil, il a été publié le 30 mai par cette personne. Sur mon serveur personnel. Et il a été aussi publié sur le forum du Parti Pirate. Je suis vraiment déçue, hein, vraiment très déçue et assez énervée. Je suis assez fâchée. Mais j'attends des excuses. Des excuses pourront peut-être apaiser la situation, j'en sais rien. Là, franchement, je sais pas trop, parce que je suis très énervée et très fâchée. Et je pensais pas me mettre dans cet état-là à cause du renard, quoi. c'est pas mon sujet de prédilection. J'ai fait une proposition qui était complètement maladroite, ça je veux bien le croire, mais au point de me faire agresser comme ça, je pense que ça n'en valait pas la peine, en fait. Le Rassemblement National héritier de Pétain. Voilà, un sujet beaucoup plus intéressant, pour le coup, que l'agression d'un mec. Plus c'est un mec, quoi. Rassemblement National héritier de Pétain. Macron recadre Borne en Conseil des ministres. Il y a deux jours, sur Radio J, la première ministre avait ainsi qualifié le Rassemblement National. Je t'invite à en parler sur le forum. On va en parler sur le forum du Renard, du Parti Pirate. C'est discours.partipirate.org. Emmanuel Macron a rappelé ce que doit être, selon lui, la bonne stratégie pour cogner contre sa principale rivale à la dernière présidentielle. C'est être naïf que de croire qu'il suffit de citer Pétain pour faire fuir les électeurs, a rappelé Emmanuel Macron s'adressant indirectement à Elisabeth Borne, ici à la sortie du Conseil des ministres du 16 mai. Il lui a mis un scud, c'est un article du 30 mai publié sur Le Parisien par Olivier Beaumont et Pauline Thévenot. Il lui a mis un scud, lance un membre du gouvernement en sortant ce mardi midi du Conseil des ministres, deux jours après les propos d'Elisabeth Borne sur Radio J quand elle a parlé du Rassemblement National comme d'une idéologie dangereuse allant jusqu'à qualifier le parti de Marine Le Pen d'un héritier de Pétain. Estime Emmanuel Macron a indirectement fait la leçon à sa première ministre devant les siens. Une mise au point pour rappeler ce que doit être, selon lui, la bonne stratégie pour cogner contre sa principale rivale à la dernière présidentielle, à savoir l'attaquer par le concret, par le réel, et non pas en utilisant des mots des années 90 qui ne fonctionnent plus. Selon un participant, la première ministre n'a pas réagi. Les vieilles postures à la papa pour diaboliser le RN, comme on le faisait il y a 30 ans, ça ne fonctionne plus. C'est trop naïf que de croire qu'il suffit de citer Pétain pour faire fuir les électeurs. Ça n'a même jamais marché. Borne a fait de la politique à l'ancienne, charge un ministre. Honnêtement, je n'ai pas compris pourquoi elle a fait cette sortie. Pétain, c'était le siècle dernier. Heureusement, malheureusement, la mémoire s'efface et ce genre de référence, ça ne fait plus peur à personne, en braille un autre. Ah oui, non mais on est d'accord que c'est factuel. Après, c'est pas faux que personne ne sait aujourd'hui qui est Pétain. C'est triste, hein. Il faut décrédibiliser le RN par le fond et les incohérences. Il faut décrédibiliser le RN par le fond et les incohérences, a poursuivi le président de la République depuis le salon des ambassadeurs, en pointant du doigt le programme économique de Marine Le Pen, comme ses positions sur le plan européen, avec des alliances systématiques avec ceux qui ont des positions libérales, en allusion à l'Italie de Giorgia Meloni, par exemple. Ce sont des agrégations mortelles, a-t-il lâché. Ce recadrage en plein Conseil des ministres est plus globalement intervenu au moment de commenter les résultats des dernières législatives en Espagne, où l'extrême droite est devenue la troisième force politique du pays, et Macron est de poursuivre son allusion aux propos de Borne sans jamais en faire distinctement référence, pour reprocher les postures morales qui ne prennent plus dans l'opinion. Le combat contre l'extrême droite ne passera plus par des arguments moraux. On n'arrivera pas à faire croire à des millions de Français qui ont voté pour elle que ce sont des fascistes. Alors, c'est quand même des fascistes. On est quand même d'accord sur le fait que l'argument de Pétain est juste. Mais je comprends pas le positionnement d'Emmanuel Macron non plus. Je pense qu'on doit continuer à s'opposer au Rassemblement National de toutes les façons possibles. Mais bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Là, c'est drôle, ça aussi. Tiens, ça c'est drôle ça. Mais raté, il s'agit d'une œuvre numérique créée par l'artiste Yann Padgham. Et même si ce giga arc-en-ciel est complètement faux, à vous aussi, en passant au rond-point de l'étoile ce matin, vous vous attendiez à voir un arc-en-ciel de triomphe ? Arc-en-ciel, arc de triomphe, vous l'avez. Car cette vidéo de l'arc de triomphe couvert du drapeau LGBT pour le mois des fiertés a été partout sur les réseaux, beaucoup y ont cru. Mais raté, il s'agit d'une œuvre numérique créée par l'artiste Yann Padgham. Et même si ce giga arc-en-ciel est complètement faux, il a provoqué une pelle de réactions sur les réseaux, provoquant des polémiques et surtout beaucoup de commentaires homophobes. Et c'est même allé jusqu'aux États-Unis, oui, où plusieurs comptes affiliés à l'extrême droite américaine ont relayé la vidéo, dénonçant parfois une abomination. Et pourtant, c'est pas la première fois que cet artiste fait ce genre d'œuvre dans Paris. On avait vu par exemple la pyramide du Louvre pleine de ballons cœur ou des sacs Jacquemus à roulettes devant l'opéra.
Il est trop beau, ouais, je suis d'accord. Je suis trop d'accord. C'était joli. Dommage que ce soit pas vrai. Excellent, excellent. Merci Rémi pour cette vidéo-là. Parfait, j'aime beaucoup. Excellent. Putain, je la remets juste pour le plaisir parce que c'est vraiment trop drôle. Le chien attaque. C'est trop marrant. C'est quoi ce compte? Mais je suis pas non plus fan, mais juste j'ai trouvé ça très drôle. C'est quoi ce compte? Cool trick I taught my dog. Sure. Alright. Set. Bang! 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 Hey Siege, have you seen? No! Hey, you guys want to see this cool trick? Whoa! What are you doing? Watch this. What? Whoa! What are you doing? Okay. Position. Back up. You better back up. Hey, stay your position. Pardon. Ok, d'accord. C'est un compte très drôle. Voilà, on a vu beaucoup de vidéos drôles et mignonnes. Je sais pas si on va compenser avec un article. Ouais, il y a beaucoup d'articles qui ont été déposés par AL en plus de tous les drôles et mignons. À partir de là, je crois. À partir de là. Je pense que je vais épingler le message. Pour dire, c'est à partir de là qu'on s'est arrêté, parce qu'il faut que je m'arrête. Bonjour Little Poulet. Je vais m'arrêter à un moment. Bon. Donc, je vais m'arrêter parce qu'il va falloir que j'aille faire, que j'aille manger. Et après, il va falloir que j'aille faire un truc pour cet après-midi. Enfin, un cocktail sans alcool pour cet après-midi pour ma pote qui vient prendre l'apéro. Apéro sans alcool, du coup. Ah, trop bien. Donc, c'était ce live ce matin. Merci à vous d'avoir suivi ce live ce matin. Je vous remercie d'être parmi nous à chaque fois et d'être présent et de répondre au rendez-vous. C'est très chouette.
Je vous invite à nous rejoindre sur le serveur Discord de la communauté. Le serveur Discord qui est donc le suivant. Discord. Hop. Vous pouvez y envoyer donc dans la partie actu du matin les actualités sur lesquelles vous voulez qu'on parle, et dans la partie drôle et mignon, des vidéos drôles et mignonnes que vous avez vu passer qui vous plaisent. Pourquoi j'ai un not found ici là? C'est quoi le not found ici là? C'est marrant ça. Pourquoi j'ai un not found ici? Il y a un truc que je vois là qui me plaît pas. Donc c'est pas le fond sonore. Bien sûr. Salut Rosa, Suki, bienvenue parmi nous. Je le vois que maintenant, tu sais. Message du chat, c'est pas ça. Ah, ça doit être ça. Non, c'est pas ça. Peut-être ça. Non, c'est pas ça. Attends. Ah bah si, c'est ça, voilà. C'est le Utip, vu que Utip a fermé, du coup, bien sûr, c'est forcément. Forcément, j'ai plus besoin. Voilà. Bienvenue à toi, Rosa Suki, parmi nous. Comment vas-tu? C'est, je disais, donc la fin de ce live. Je vous remercie d'avoir été parmi nous ce matin. Je vais, tiens, pour une fois, bienvenue Aragol, bienvenue Cyrilus et bienvenue Aragol sur le serveur. Une fois n'est pas coutume, cette fois-ci je vais vous envoyer quelque part. Juste que je me reconnecte sur Twitch et que je vous trouve chez qui vous envoyer. Plouf, 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 plouf. Plouf, 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 plouf. Alors, qui est-ce qu'on va avoir ce matin? Qui est-ce qui est co? Qui est co? On a chocolatier Paul Garderès qui est connecté ce matin. Vous allez manger? On va aller manger, hein, de toute façon. Donc, c'est l'heure de manger. C'est l'heure de manger. Donc, je vais vous envoyer chez Paul pour aller manger du chocolat. Voilà, aller voir ce qu'il fait comme chocolat ce matin. Quant à moi, je reviens quand... Normalement, je reviens dimanche prochain, le matin. Normalement, si tout va bien. Dimanche matin, parce que samedi, pourquoi je peux pas samedi? Je sais plus pourquoi je peux pas samedi. Peut-être samedi, je ne sais pas. Ben, c'est soit samedi, soit dimanche, de toute façon. Normalement dimanche, je sais pas encore, on verra, sachant que bon, faut que je cale un peu mon agenda en ce moment, c'est un peu compliqué, mais voilà, je reviendrai dimanche matin. Vous pouvez nous retrouver demain après-midi, je vous rappelle, pour le live de, c'est un live de débrief des élections européennes qu'on fait, un live de débrief des élections européennes de 2019 qu'on fait demain après-midi à 15h sur la chaîne du Parti Pirate. Donc c'est twitch.tv/partipirate. Vous pourrez aussi retrouver ce live en direct sur Twitter et en direct sur YouTube et en direct sur Facebook. Oui, on fait la totale. Donc vous pourrez nous retrouver demain avec Faro, Nicolas Petit-Demanche, qui était le mandataire de la campagne. Et moi, du coup, j'étais la tête de liste de la campagne. Il y aura aussi d'autres pirates qui seront là. Vous pourrez nous poser toutes les questions sur qu'est-ce qu'on a fait pendant cette campagne, comment ça s'est passé, pourquoi est-ce qu'on a fait campagne et comment est-ce qu'on a fait campagne, qu'est-ce qui était le plus difficile. Tout ça, ce sera des questions auxquelles on répondra demain avec grand plaisir avec Nicolas. Pour ma part, eh bien, je vous souhaite un excellent dimanche, un excellent samedi aussi, parce qu'on est samedi quand même, un excellent dimanche, et je vous retrouve très vite de toute façon. Voilà, je vous envoie chez Paul juste après, que je laisse, voilà, je vous envoie en partage d'écran, non, c'est bon. Oh là là, je suis en train de me rendre compte que j'ai mis la chaîne, le truc à bientôt ce matin. Putain, j'étais vraiment pas réveillée. Donc le live va commencer avec à bientôt, je pense que vous l'avez vu. Bon appétit tout le monde, à bientôt, bon après-midi, salut.